guia, nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baobá! Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são porfá. A leveza de quem se expande por inteiro, porque nunca se apartou da natureza um corpo só. Livre tenho duas cabeças, como pássaro africano são porfá. Eu olho pra trás e reconheço o futuro, fincado no agora, resplandece o amanhã. Sou forte ainda como a folha baobá. Quem vive guia nunca erra a direção. Sou uma árvore inteira de olho atento e pé no chão. Baobá! Ah, et là vous m'entendez, excusez-moi. Salut, salut, salut Julio Monaco, salut Juju. Salut la team. Du coup, ce soir c'est session FIFA les amis, on va lancer une carrière avec l'AS Monaco et vous allez pouvoir commencer à faire la compo. Nickel, nickel, on est bon. Et puis voilà quoi. Alors on a essayé de mettre des petits trucs en place supplémentaires, vous verrez. Alors il y a normalement un emote wall, mais j'ai l'impression qu'il fonctionne qu'à moitié parce que je le vois pas apparaître. Non, bah dans le chat tout ça. On va tester ça. Où sont déjà ces émotes? Paramètres du chat. Ouais, petite question d'ailleurs, les amis Monégou, Juju, etc. Julio. Est-ce que vous avez reçu une notif au début du live ou pas? Ça m'intéresserait de le savoir parce que j'ai l'impression qu'il y a des notifs qui partent pas. Et ouais, j'ai remarqué ça, et c'est ce qui est un peu chiant quand même, parce que du coup, il y a plein de gens qui sont pas forcément informés que les lives... Tu l'as reçu? Ok, bon bah, ok. C'est un truc de paramètre. Salut Xunicorn! Bon oui, il y a tout le monde qui arrive. Ah, on est déjà 9, donc oui, effectivement, vous avez reçu les notifs. Salut, salut tout le monde. Salut, je vais attendre un petit peu, on l'a reçu. Merci Julio, top. Donc ce soir, on va commencer une carrière. Carrière FIFA avec AS Monaco. Salut les OSM, salut. Bienvenue sur le chat. Et il y a un petit stream boss là que j'ai lancé. On va voir un peu si on s'en sert bien ou pas. Vous le voyez peut-être, vous le voyez, il est en bas. Il est où? Je vois très mal la météo. Il est là en bas à gauche, le stream boss. Après en général quand tweet bug, Discord et Twitter font le job pour aller sur les lives. Ok. Vous avez le son de la play aussi d'ailleurs. Voilà, vous entendez peut-être juste la musique. Et est-ce que vous l'entendez assez fort, pas assez fort, trop fort? Salut Geo Naruto, salut salut, salut à tous. Merci d'être là, c'est cool. Ah oui, non mais ils ont peut-être pas été validés encore en fait, Popeye. C'est peut-être juste ça. Ah si, ça doit être ça. La musique bug un peu mais ta voix nickel. Ouais alors j'ai... Bah je sais pas, je les ai faites hier je crois les émotes. La musique elle bug dessous. Ouais. Je vais peut-être baisser un peu le son du coup. De toute façon, je vous avouerai que bon, les commentaires des matchs, hein, c'est ce qu'on en pense. On va mettre plus en fond comme ça. Bah écoute, je vais fermer quelques trucs là sur. Je vais fermer ça. Je vais fermer Twitch. Hop. Je vais fermer Discord aussi, parce que j'ai beaucoup de trucs ouverts, c'est peut-être ça qui fait tout planter. J'ai Photoshop qui est ouvert, en fait j'ai tout qui est ouvert sur cette machine. J'ai Photoshop avec le magnifique agenda de la semaine, de toute beauté, n'est-ce pas?
Ouais, bah c'est ça, j'avais trop de trucs ouverts, je pense. J'avais trop de trucs ouverts. Ouais, c'est parce que c'est quand je suis sur le chat aussi, je pense que ça me fait un peu prolonger. Antoine Petit, 1v1 ce soir sur FIFA. Ouais, pourquoi pas, après, éventuellement, faut voir si je suis chaud ou pas. Vous allez voir, hein, je suis pas. La musique bug un peu, mais ça va, la voix nickel, ok. Vous allez voir, je suis pas non plus. Je suis pas non plus Bruce Grenek, hein. Mais bon, après, je me défends. D'ailleurs, première question, les amis, on va paramétrer la saison. On la joue en quoi? En légende? Comment vous jouez, vous, en général? C'est quoi votre niveau de jeu quand vous jouez contre la console? J'ai regardé pendant ce temps-là les émotes, s'il y a toujours un truc de validation en cours ou pas. Non, ils sont toujours en validation, ouais. En attente d'approbation. C'est ça. C'est ça, Maître Popeye. Si jamais vous voyez parler Antoine tout seul, c'est normal, il est encore fou, je suis juste dans son oreille. Ouais, merci de le préciser, Popeye. Popeye, c'est mon assistant, c'est l'oreille ce soir. C'est voilà. C'est lui qui va me dire de tirer, de faire des passes. Moi, je joue en ultime perso. Ok, donc c'est le niveau max, c'est ça, hein, mon égout. Bon, allez, on va commencer, hein. C'est pas tout ça, mais d'ailleurs, je vais passer en plein écran, du coup, parce que sinon, je vais rien voir. Ce qui va être horrible. Hop, et je vais garder. Alors, projecteur. Il est là le projecteur de sortie. Ouais, attends, je mets juste le. Là, je dois augmenter un peu là. Projecteur de sortie. Ça bug toujours? Bon, on va pas insister, hein. Alors, projecteur de sortie, il est là. Voilà, nickel. Hop. Ah, voilà. Je me vois en grand, c'est quand même beaucoup plus sympa. Carrière de manager. Carrière de manager. Alors, attends, projecteur PS400, on s'en fout par contre. Hop. Voilà. S'ils sont bugs, faudra me le dire, hein, je retournerai sur la console. Et puis bon, déjà, on va choisir la tronche de notre bonhomme. Mais je crois qu'on peut modifier. Hein. Légende, je trouve trop simple, mais tout dépend du niveau de la personne. Moi, j'ai arrêté, je suis trop fort. Légende, c'est très bon niveau déjà. Ok, légende, c'est pas mal. On va commencer sur une légende, les mecs, ok? On commence sur une légende, et puis on se fait un petit. On se fera un petit level up, peut-être à mi-saison, au bout de quelques matchs, si jamais on voit que. On voit que qu'on est trop bon quoi. Alors du coup on va commencer avec la tronche de notre bonhomme là. On va commencer, on va lui faire un truc un peu cool. Il y en a un, il me fait penser à Nico Kovac. Ouais, lui, plus Philippe Clément. Hein. Enfin, on dirait un peu Mister Burns plutôt. Prends le quatrième. Ouais, Mister Burns. Le quatrième en partant. C'est trop ça. Hein. C'est trop Mister Burns. Allez hop, direction la centrale nucléaire. Prénom. Bah là, du coup, les mecs, on va la faire là, ouais. Philippe Clément. Oula, attention. Vous voyez, ma dextérité est vraiment pas ouf. Hein. Ah oui, effacé. En plus, j'ai ma grosse tête devant le truc là. Allez, Philippe, Filou. Option. Ok. Clément. J'ai l'impression que je. Non, ça va. Par contre, j'ai l'impression d'avoir un big décalage entre le live et. Enfin, j'imagine que c'est normal d'avoir un peu de décalage, mais. J'ai genre 10 secondes de décalage, je crois. Alors, Philippe Clément. Oh, ouais, ça. En même temps, je suis beau gosse, hein, si tu veux. Et donc, oui, hein, je vous rappelle, hein, je suis pas. J'entends quelqu'un dans mon oreille, hein, je suis pas fou. Enfin, j'entends quelqu'un dans mon oreille, ça peut paraître pour un mec complètement taré, mais c'est pas le cas. Philippe Clément, alors, les amis. Pays. La Belgique, évidemment. La Belgique, évidemment, évidemment. Faut juste que je la retrouve, nos amis belges, ils sont où? Ah non, oui, d'accord, ok. Oh, le mec, il est pas habile, hein. Pas habile de ses 10 doigts. Belgique, voilà, entre la Barbade et le Belize, bien évidemment, hein, pour ceux qui sont pas très forts en géographie. La Belgique, charmant petit pays. Alors, club authentique, bah oui, club authentique, évidemment. Qu'est-ce qui peut être plus authentique que l'AS Monaco? Allez, les amis, alors, AS Monaco, let's go.
Non, Saint-Étienne, excusez-moi, j'ai fou, j'ai glissé. Je sais pas ce qui m'est arrivé. Sinon, la forme, tout le monde. Ah oui, mais c'est Coco, c'est Coco. Popeye, Popeye qui demande si vous allez bien. Et toi, Popeye, tu vas bien? Toujours la forme. Ok, je vais toujours en forme. Le budget a baissé depuis le 21. Ah merde, on s'est fait U. Vas-y, stade. Mais de toute façon, il n'y a pas le Louis II, je crois. Hein. Vous voulez que je prenne quoi comme stade, les mecs? J'ai quoi comme stade? Et quoi comme stade un peu sympa? Sachant que. Ah, on peut le renommer, ça c'est cool. Donc on va le renommer le Loulou 2. Faut en trouver un qui ressemble un peu, non? Enfin, en même temps, un stade qui ressemble à Louis 2, ça va être compliqué, hein. Stadio Classico, on a 35 millions sur le 21. J'ai même pas regardé combien on avait, tu vois. J'étais vraiment désespéré. De toute façon, c'est vous qui allez me dire qui on vend, qui on achète. Donc moi, je m'en fous, hein, je gère pas les financements. Moi, je gère la manette, c'est déjà pas mal. Il y a un stade qui ressemble aux deux, c'est sta un stade générique. Ok, ouais, ça doit être Stadion Europa, non? Je vois avec la grosse piste autour, là. Je regarde un coup les autres. Mais pour moi, c'est Stadion. Attends, je regarde un peu. Ou Union Park. Non, non. Ouais. Ok, Stadion Europa, ouais j'avoue. Oui, c'est vrai que, ouais, plus putain, c'est pas faux, tiens. C'est pas faux, renommer le stade. Tadadadam. Stade Louis II, évidemment, ouais, on va pas se fouler. Bon, après, on va pas trop traîner à faire tous des trucs comme ça, parce que moi j'aime bien, j'ai envie de jouer là. Je suis chaud. Merde. Je suis chaud. J'ai envie de... Oula. D'ailleurs, question avant qu'on y arrive, vous allez voir, au début, on va faire, bon, un peu les compos, tout ça. Est-ce que vous voulez qu'on fasse des matchs amicaux ou est-ce qu'on attaque directement dans la saison? Parce que là, on est parti sur une session de à peu près 3 heures. Enfin, ça dépend de mon état de forme. Je vous cacherai pas que je suis qu'à contact Covid, donc j'ai pas une forme olympique ce soir. Alors, attendez, espace. Du coup, ça sera max 3 heures, minimum 2 heures. Voilà. Saison directement, bah ouais, je pense. Hein. Moi, je suis plutôt de cette même team, moi. Alors, ok, c'est bon, let's go. Retour, c'est ça, c'est bon. Il a choisi Loulou 2 ou pas? Ouais, ça. Ouais, c'est vrai que ça rapporte du pognon. Hein. Couleur des sièges. La fameuse couleur des sièges. Ça va intéresser. Ça va intéresser. Alors, on les met en rouge. Attends, il n'y a pas un mix des deux là? Lit de vin. C'est genre, ah ouais, j'ai l'impression d'être Valérie Damido, quoi. Vraiment, pour le coup, hein, les mecs, faut savoir que c'est des trucs que je découvre. Hein. Autant, je suis un très gros joueur FIFA. Non, je vais mettre en rouge. Ouais, je vais mettre en rouge. Allez. Je suis un très gros joueur FIFA, mais alors, par contre, tout ce qui est les sièges jaunes, non, pas jaunes, non, désolé, non. Il n'y aura pas de jaune, mon dégoût. Là, c'est le seul truc où je mets vraiment mon veto, quoi. Mais j'espère que ça prend bien en compte les paramètres, là, quand je fais ça, ouais. Ouais, ça a l'air pas mal. Ça a l'air pas mal. Couleur du stade, on va mettre en blanc. Oh, ça peut être beau, ça, par contre, tu vois, blanc et rouge, du coup. Attends, mais il me fait quoi là? Ouais, ça se. Attends, c'est bon ou pas? Voilà. Ok. Là, j'ai l'impression qu'on commence à être pas mal. Je t'ai dit la même, Monégou. Les sièges. Ça rapporte du. Et le terrain. Et le terrain. Voilà, on fait vraiment des trucs vraiment pour se faire chier. Hein. La pelouse. Oh là là. Oh ouais, ça, c'est les trucs. Ah ouais, non, il y a des trucs, c'est trop psychédélique. Moi, j'aime bien en vrai les trucs un peu en cercle comme ça. C'est carrément fou quoi. Mais genre celui-là. Ah non mais je vais faire un malaise devant ma. Ah j'avoue, je vais faire un malaise devant mon écran si je fais ça. Mais je vais le faire. Le mec il se met un petit level d'entrée de jeu quoi. Couleur défilée les amis. Ouah, couleur rouge, ouais rouge forcément. Rouge, la couleur du sang et de la violence. Il y a rouge et blanc. Allez. Ah ouais putain, bah vas-y, let's go. Ah bah voilà. Rouge. Allez, hop. C'est y part. Bah ça part là-dessus, hein. Donc là, on est bon là. Continuez, c'est ça? Allez, continue. On continue. Allez, c'est là qu'on arrive dans les trucs un peu... Voilà. Compétition européenne. Hein, je vois pas avec ma tronche devant, merde. Il est marqué quoi sur compétition européenne, Coco? Ouais, tu vois pas non plus, mais ouais, je suis con. Ah merde. Oh le débilos. Oh le débilos, ah, vous êtes sur le pire streamer de France, je pense. Hein. Je sais pas si vous vous rendez compte de ça. Attends, je vais juste. Regardez comment on bouge une grosse tête comme ça là. Wouhou! Activé, voilà, activé. C'est tout ce que je voulais voir, Emiko. T'as déjà fait plus que le club en. Le pire, c'est que c'est tellement vrai. Elle est belle, Monégou.
Elle est belle. J'allais te filer un sub, mais je crois que t'es déjà sub. Donc tu m'as bien fait marrer là. Bon, je vais rapetisser ma tête, j'ai trouvé une grosse tête, je suis désolé. Salut Booba, ça va mec? Ouais, mais j'ai peur qu'il y ait des trucs après tout en haut. Genre, il n'y aura pas le temps ou le score ou un truc. Ou au pire, je leur bougerai, ouais, vas-y. On va le mettre en attendant. On va se cacher. C'est. C'est vrai? À gauche, non. Bah non, à gauche, c'est sûr. À gauche, c'est sûr, il y a le score. En haut à gauche, c'est sûr. Parce que j'ai regardé des streamers, des vrais professionnels du stream. Alors, on va se remettre sur le projecteur de sortie. Voilà. Histoire de voir un peu ce qui se passe quand même. J'ai lié mon compte Twitch, mais j'ai pas accès au salon sub. Ah bah, mon égout, tu pouvais pas mieux tomber. Il y a Popeye qui va pouvoir te résoudre ça. Enfin, je pense. Je sais pas si tu peux checker. Difficulté des matchs, on va commencer en légende. Durée des périodes, je mets quoi? 5 minutes? 6, c'est long, je trouve. 5 minutes. Période des transferts activée, offre d'emploi international. Non, ça, ça m'a toujours fait chier les offres de. Pour devenir sélectionneur. Intransigeance en négociation. Il n'y a pas un truc genre normal, tu vois. Sévère. Souple. Ah ouais, c'est genre. C'est soit ils sont cool, soit ils sont chiants, quoi. 5 minutes, c'est bien. Montpellier pas en grande forme, c'est cool. Ouais, vous avez vu, les gars? Ouais, parce qu'on peut en profiter pour discuter. Hein. Coup de pouce financier désactivé. J'adore les mecs qui commencent des saisons, ils se mettent 500 barres d'entrée de jeu, tu sais. Ouais, Montpellier pas en grande forme. Montpellier. Ils ont perdu, du coup. J'ai même pas regardé la fin du match. J'ai vu qu'ils m'étaient menés à 0. Ils ont perdu, Bouba. Souple, au moins, on est tranquille. Allez, on va rester souple. Soyons souples. Un peu de souplesse, les amis. Souple, on est. Et ouais, est-ce qu'ils ont perdu? J'ai vu que Savanier a pris un rouge. C'est plutôt une bonne nouvelle pour nous, ça, pour le coup. Préparez-vous à briller. Voilà, ça va briller. Je peux te dire, ça va briller. On va briller, les amis. On va briller. J'aurais peut-être dû prévoir mon coup, moi, avec. J'ai mon petit. Hop. Sponsorisé. Ce live est sponsorisé par la sous-marque d'Ice-T. Non, malheureusement, c'était pas vrai. Montpellier 3-0-1. Ok. Hein? Ah, mais ouais, mais ça me le fait souvent, ça. Bah ouais, mais moi, quand je regarde des lives sur Twitch, j'ai souvent des déconnexions, des trucs à la con. Sur des trucs où je comprends pas pourquoi. Même quand j'ai une bonne co, d'ailleurs. Créer une nouvelle carrière. Vous avez vu, hier, j'en ai fait une. Avant-hier plutôt. Alors, Mounegou carrière. Savanier s'est essuyé les crampons sur un Troyen. La VAR a appelé l'arbitre rouge direct. Bah, c'est une bonne nouvelle, ça. C'est même une méga bonne nouvelle, ça, les copains. L'échange. Choupo, Ben Yedder. Qu'est-ce qu'il y a? Tu as le même nom sur Discord. Okay. Il va te régler ça, Mounegou, t'inquiète. Faut payer, c'est un pro. Mounegou live. Bon, on va appeler ça comme ça, au moins on est sûr de pas se gourer. Hein. Ah les gars, j'ai la pression, vous imaginez pas. Non, je rigole. Clément. Ah non, on dirait la vraie conf de presse. Ouais, ça pourrait être lui, hein. Ça pourrait être lui de loin, quoi. Ça pourrait vraiment être lui, mais de très loin, quoi. De très loin, et puis après une mauvaise soirée, quoi. Bon, on l'a fait ou pas cette compète amicale? C'est Vassiliev. J'avoue. J'avoue. On l'a fait ou pas cette compète amicale? Oui, non. Si j'ai plus de oui que de non dans le chat, je le fais. Si j'ai plus de non, je la fais pas. Ouais, c'est pas compliqué. Vous avez 30 secondes. En vrai, moi, je suis pas. Bah ouais, ça se vaut, mais. Ouais, bah ouais. Ça fait chier, quoi. Oui? Bof bof, j'ai un oui, j'ai un bof bof. Donc pour l'instant c'est plutôt oui, hein, je vous le dis. C'est vous qui décidez, hein, je vous l'avais promis. Donc et la compo, vous allez pouvoir la faire aussi. Par contre, ne faites pas des trucs de merde. Oui, tu as à y gagner quoi? De la thune, Booba. T'as les récompenses là, tu vois, bouclier européen 7 millions 8, trophée des champions 7 millions 3 et coupe euro internationale 7 8 millions. Voilà quoi. Fais-la alors, ok. Ok chef. D'ailleurs ça m'arrive la même chose que ce que mon égout, j'arrive pas à aller au salon sub alors que je suis lié. Ah bah Géo Naruto, il y a le même souci apparemment, Popeye. Bah on regarde. On regarde. On fait les maintenances sub en même temps que le live ce soir. Allez, bah on va se la faire. Hein. On va se la faire. Allez. J'ai pris celle où qui rapporte le plus de pognon, évidemment.
Sinon, c'est pas drôle. Et puis, bah, on va commencer par. Déjà, on commence par quoi, les mecs? On commence par choisir la compo. Ok? Le système de jeu. On joue dans quel système de jeu, les gars? Est-ce que vous. Qui teste? C'est ça? Et je. Monégou 433 et Géo Naruto, vous pouvez tester votre accès Discord, voir si ça fonctionne. Apparemment, c'est réglé. 4-4-1-1. Ouais, les mecs, il va falloir se mettre d'accord. Hein. Après, on peut tester plusieurs trucs en vrai. En plus, c'est les matchs amicaux, donc ça peut servir à ça. On commence par quoi? Ok, j'y vais. Bon, allez, Booba. C'est Booba qui a dégainé le premier. On va lui mettre le 4-4-4-2. Puis il va se poser une autre question après, mes amis. C'est qu'est-ce qu'on va virer? Là, je sais pas pourquoi, mais j'ai un nom ou deux en tête déjà. Moi, ça me fait grave chier parce qu'en vrai, c'est un des plus rapides de l'équipe. Hein. Autant en vrai, il est pas bon. T'as même pas mis Aguilar titulaire, MDR. Mais non, j'ai rien. Pour l'instant, j'ai rien fait, Unicorn. C'est pas moi. J'ai juste. Là, c'est juste la compo de base, quoi. Après, au pire, on peut commencer avec cette compo de base-là, qui est la compo par défaut. Et puis, la liste est longue. Bah, dites-moi, allez, on va commencer. Il y avait un 4-4-2, 4-1-1. On est à peu près sur le délire, là. C'est la compo classique, on va dire. Dites-moi qui on vire. Dites-moi qui on met sur le marché des transferts, les amis. On va aller voir un peu la valeur des joueurs, la cote des joueurs. Ok? Allez, on va aller faire un tour, on va aller faire un peu de business. Allez, on va faire le marchand de tapis. On va aller vendre de la paillasse. D'ailleurs, il y en a certains, c'est vraiment des paillasses pour le coup. Accueil équipe. Ah, c'est quoi déjà ce bordel là? Plan de développement. Ah ouais, les plans de développement. Moi, je suis à l'ancienne. Hein. Moi, c'est vraiment. J'avais pas tous ces trucs-là avant. Ah, ça, on verra après. Hein. Benjamin Lecomte. Oui, non, Lecomte, il est en prêt. J'ai eu peur. Attends, c'est comment on fait déjà pour vendre des joueurs dans ce truc-là? Mais non, mais c'était là-dedans. En plus, je suis con. C'était là-dedans. C'était bien là-dedans. Ça marche, moi, c'est bon. Jacobs. Jacobs, on le vend. Mais non, on va pas vendre Jacobs, les amis. Financier. On va regarder combien ils valent déjà, les mecs. Parce que Caillou, il vaut du flouze, hein. 78. Par contre, j'ai l'impression j'ai pas. Est-ce que j'ai Vanderson? Ah, il est là, Vanderson. Il est là, Vanderson. J'ai fait la mise à jour. Merci Popeye, merci. C'est bon les gars, nickel. C'est top. Allez-y, n'hésitez pas. On met des idées de. Enfin voilà. Les salons sont pas encore méga actifs, mais j'espère que tu mettras Jacobs en ailier. Bah écoute, si tu me le demandes, mon égout, je vais te le mettre en ailier. Vas-y, vas-y, vas-y. Je mets Jacobs en ailier. Par contre, là, on est dans les mecs qu'on vend. Vous voulez qu'on vende qui? Parce qu'en vrai, on n'a pas beaucoup de pognon. Hein. Si on veut acheter des trucs, on verra après qui on va acheter. Mais si on veut pouvoir acheter un peu, il va falloir vendre. Fabregas, il est là. Tchouaméni, on va pas vendre, hein, évidemment. Golovin. Enfin, Golovin, je pourrais me tenter. Hein. Gelson, j'ai presque envie. Vendre Martins. Pelé. Ouais, Pelé, on le vend. Allez. Allez, Pelé. Hop. Je savais même pas qu'il était encore là, lui. Ah oui, il est même pas prêté en plus. Ajouter les idées de transfert. Hop là, allez, ça c'est fait. Jean-Lucas, est-ce qu'il va nous servir ou pas? Je pense pas, t'as raison. Et il est. Ouais, non, il est pas bon. Franchement, il est dégueulasse pour le coup. Allez, hop, ça dégage. Aolou. Ouais, mais Aolou, il est prêté. Ah, il y a peut-être moyen de mettre fin au prêt. Ça a coûté combien aussi? Ouais, ça vaut le coup, ça vaut le coup. Rappeler de son prêt. Quoi? Aguilar, allez, Aguilar, hop. Allez, Ruben. Allez, c'est. J'ai pas de console, mais je trouve cool votre projet. Perso, j'ai kiffé MPG, vous y jouez. Ah ouais, vas-y, je pense que. Il y a eu. Merci Erwan d'ailleurs, c'est cool, hein, ton petit message fait grave plaisir. Ouais, Booba, il est on fire là, j'ai mis en vente toute l'équipe. C'est Noël, wouh, tout le monde se casse. Après, envoyez-moi des idées de noms de joueurs à acheter dans le chat. Si vous avez des noms, des pépites FIFA, des trucs, moi je connais pas vraiment, j'ai vraiment peu joué à FIFA 22. Pour être honnête avec vous, ça va être la troisième ou quatrième fois que je joue à FIFA 22. J'ai poncé FIFA 21, mais FIFA 22, j'ai peu joué. Non, tu peux pas m'aider, toi. Coucou, MPG, ouais, je pense qu'on pourra se faire une petite ligue MPG sur. Limite, Erwan, tu peux lancer l'idée sur le Discord. T'es pas sur le Discord. Limite, va sur le Discord, mec, et balance l'idée dans genre le chat live. Il y a un chat. Enfin, il y a un salon qui est dédié au live Twitch. Tu mets juste dessus, ouais, j'ai l'idée de faire une ligue MPG, et on va en parler, limite, on en parlera, si tu veux, dans le prochain Money Goo Live. Mais s'il y a des gars qui sont chauds, allez-y, limite, mettez votre nom dans le chat, s'il y en a qui sont chauds à faire le ligue MPG, et après, mettez-les sur le Discord.
Elvedi, je réclame trop chez nous chaque année. Allez, Elvedi. Ouais, c'est vrai qu'Elvedi, t'en parles à chaque fois. T'es amoureux de lui. T'es amoureux de lui, Monégou. Je vais regarder combien il vaut déjà. Je sais même plus combien on a de thunes. On la voit où la thune déjà? Voilà, j'ai l'impression d'être un noobs total quoi. Où est-ce qu'on voit le pognon dans le bureau, j'imagine? Ah ouais, puis après tu peux jouer avec les salaires, c'est ça? 25 millions de budget! Ah ouais, putain, ça pue la merde ça! Oh la dèche! J'avais mis une demande d'ailleurs dans le chat live sur Discord. J'avais fait une demande d'ailleurs dans le chat live sur Discord. C'est quoi, Monégou? Je vois pas. Attends, je vais regarder en même temps. Les pépites. Ouais, mais je peux pas avoir les liens, Booba. Si tu peux mettre quelques noms, quelques bonnes idées, ça ferait grave plaise. Dans le chat live sur Discord, t'as mis une idée. Mais c'était quand, copain? J'ai pas vu. Je peux pas te mentir. Quoi qu'il y avait pas mal de trucs. Après, j'étais pas trop connecté aujourd'hui, faut reconnaître. Et vous avez été assez chaud, chat live. Ah, si, hein, mais moi j'ai un nouveau message, Monégou. Un petit peu gênant, mais je sais que c'est. J'aimerais bien faire une demande, un live. Ah ouais, carrément, Monégou, avec plaisir, ouais. On se fera ça. On se fera ça. On va faire des trucs de supporters, donc carrément, avec plaisir. Pas de soucis, pas de soucis. Bah, notez-le d'ailleurs. Hein. Je vais mettre un petit message. Qui est chaud pour une ligue MPG avec les Monégou. Hop là. Bah, si vous êtes chaud, vous allez dans le salon chat live du Monégou Live sur Discord. Vous avez le lien dans la description, tout le bordel. Et puis, moi, une test à deux persos. C'est quel poste en priorité pour recrutement? Écoute, moi, je suis assez... Bah, en vrai, j'aurais tendance à faire comme c'est le cas en réalité, du coup. Prendre des ailiers. Parce que là, tu vois, déjà, dans la compo, on a Golovin qui en a en milieu gauche. Pour moi, ça pue la merde. On a Voland qui est en 9,5-10. Et puis, voilà, quoi. Noble, il est pas ouf en termes de stats, hein, putain. LVD, allez, LVD, il est où LVD? On va aller voir LVD, parce qu'on va voir le budget aussi, hein. Parce qu'on a pas lourd en budget, les mecs. Attaquant, allié, défenseur central, allez. Allez, balance les pépites, Booba. On voit du pépito. Une ligue MPG, c'est quoi exactement? J'ai pas les termes, désolé. Bah, Erwan, si tu peux expliquer. En fait, c'est un jeu, c'est une appli mobile. Il y a déjà une ligue MPG avec 30 joueurs. Ouais, mais quel de où ça, Erwan? Alors, ouais, mais ça, on s'en fout, putain. Allez. Par contre, j'entends pas le... Vous entendez, vous, le... J'entends plus la play, moi. J'ai peut-être vachement baissé le son, en même temps. Enfin, en même temps, si le son est... Je les vois pas. Il vient de les mettre. Ah non, bah en fait les mecs, plus simple, mettez la... Mets la liste dans... Ou le lien, tu le mets dans le chat live sur Discord. Comme ça on aura tout, Booba. Ou même tout, je mets tout là-bas. C'est pas censé être cher. Bon, attends, on va regarder tout de suite. On va regarder tout de suite LVD. Mais là sur le live, sur le chat live, sur le Discord. Ah bah nickel. Merci. Merci Popeye. Big up à Popeye, notre super modo. Twitch et Discord. Multifonction. Nico LVD, c'est ça? Ou Yann LVD? Parce qu'il y a deux LVD là. Mon petit gazon MPG. Ouais, c'est ça. Après, t'as Kangilgi, pas très cher, peut jouer AG, buteur. Ah oui! Un petit milieu gauche, il est cool. Nico! Non mais vas-y, arrête de me saouler toi avec tes trucs là. Nico LVD de Moren Gladbach. Vous êtes sûr que c'est lui? C'est lui là, c'est un Allemand. Non, c'est un Suisse. Mais moi, les Nico, ça me fait chialer, hein. C'est comme Nico Kovac. Ouais, t'as vu Mifig Miraisin? Ouais, bah, moi, j'ai bien dans l'os, hein. Enfin, moi, je m'en fous, j'ai un gros PC pour gamer maintenant, grâce à Popeye. Mais effectivement, Activision, racheté par Microsoft. Donc, possiblement, plus de. Je vais observer, du coup. Possiblement, plus de. D'Activision, enfin, de Call of sur PlayStation. C'est une possibilité. C'est le crack trop sous-côté, LVD. Mais LVD avec un Y, t'es sûr? Parce que moi j'ai LVD avec un I seulement. Hein. Enfin, je sais pas si je me suis gouré ou pas, mais. J'ai mis en recherche, 9 jours restants. D'autres joueurs? 2 Katlar. Ah oui, 2 Katlar, bien vu. On avait dit qui? On avait dit Kang Ling Lee, hein, c'est ça? On va regarder Lee d'abord. On va faire un peu de prospection là, les amis. LVD avec un I, donc c'est bon. Ok, Kang Ling Lee, il est là. Hop, observez. S'il est pas trop cher. Clause de libération, 22 millions. Donc on peut se le payer. Hein. Doté d'un énorme potentiel.
Attends, mais il est prêté parce qu'il est pas à Majorque, lui. Il est pas à Valence, lui. Call of Warcraft, ça reste sur PC déjà. Ouais, de toute façon. Enfin, moi j'ai le PC, donc au pire. 2. Cutler. Un ancien copain de. Non, pas ça. Comment on fait un espace R2? Le mec, il sait même plus. Charles de Cutler. Charles. 26 millions. Ouais, ça va encore. 1m92, gaucher. Ouais, il fait mal en vrai, le mec. Hein. Il fait mal, pépère. Allez, on va l'ajouter. Gonzalo Ramos. Gonzalo Ramos. Allez, on va regarder ça, on va regarder ça. Après, je vais d'abord faire une game en testant la team. Hein. En plus, c'est des matchs amicaux, donc au pire, on s'en fout un peu. Gonzalo Ramos. Mec trop chiant, tu sais. Le mec qui insiste. Mec qui a... C'est un buteur. Ouais, mais le mec, mettez-moi pas que des buteurs. Hein. Je vais pas jouer avec 9 attaquants, les bonhommes. C'est un buteur, Ramos. On prend Gigot, non? Ah ouais, vas-y, je vais regarder Gigot. Juste pour le délire, je vais regarder Gigot. On va regarder Gigot, ce qu'il vaut. Gigot, Gigot. On va regarder Gigot, ce qu'il vaut. Le petit Gigot. Ouais, bah c'est ça. Bah, en même temps, le mec, il se fait. C'est van sur van hein, depuis que. Samuel Gigot. Il est. Qui ça? Mehmet San Aydin. On va regarder ça, Juju. Bon, après, je vais commencer un match quand même. Parce que j'ai les doigts qui démangent là. Je suis quand même venu là, pas pour coller des gommettes quoi. Alors, c'est un arrière droit. Ok. Ah bah, surtout si on vend. Ça roule. Si on vend Aguilar, en plus, c'est tout bon ça. Hein. C'est tout bon. Popescu! On va prendre Popescu, allez. Ouais, un ailier, des ailiers, il me faut des ailiers, ouais. Il me faut des ailiers, là, les mecs. Il faut grave des ailiers. Je pense en vrai, hein, on est pas mal sur le reste, hein. Peut-être prendre un autre gros buteur. Après, on a quand même Miron qui va falloir faire jouer. Dans le jeu, il est pas dégueu. On va pas faire les chiens non plus, quoi. Il est où, lui? Nicolas Popescu? Non. Oh, Popescu. Octavian Popescu. Putain, ça, c'est un nom. Un nom de Roumain, ça. Hop. Ah là. Comment il s'appelle déjà l'attaquant de Nantes là? L'attaquant roumain, Nantes très bon, un gaucher puissant là. Comment il s'appelait? Monte. Je me rappelle plus, merde. Mehmet Sanayin, c'est bon, je l'ai pris. C'est fait. Ailier gauche, Braf, Manchester City. On va regarder ça. Ouais, un dernier, et puis après, Gustave Asuncao, milieu défensif. Asuncao! Allez, on va regarder Braf et Asuncao, et puis après, on va commencer à attaquer dans le dur. Hein. On va attaquer du lourd après les mecs. Hayden Braf. C'est un néerlandais, ça au moins, non? Exactement. Demander énorme potentiel. Ils ont quand même une bonne génération, les néerlandais. Enfin, nous, on a récupéré. Peut-être pas le meilleur, mais. Mais sinon, globalement, c'est pas mal. Juste le truc là, il va me saouler la barre, la Mounegoula, ils vont bas à gauche, je vais la virer, je pense. Milieu droit, mais peut jouer à gauche, je pense. Alors attends, tu m'avais dit qui là? Moi, milieu de terrain, ça me semble pas mal. Enfin, tu me dis, ah oh, non, on s'en fout en fait, on a Fofana, Tchouaméni et Matadzo. En vrai, ça fait le taf. Hein. Ça fait le taf, ça fait le taf. Ouais, quoi qu'on a vraiment personne derrière. Si, parce qu'on va jouer la, on va jouer l'Europa là, du coup, donc quand même pouvoir faire tourner. Un petit Gustavo Asuncao, s'il a du potentiel, je prends. De toute façon, on fait observer, hein. Après on verra, je vous promets pas qu'on les prendra. Ah, il est prêté, c'est mort. Il est prêté, les gars, c'est mort. Bon, j'ai quand même fait observer, on sait jamais. Christian Pavon, milieu droit. Christian Pavon de Boca, vas-y, Jono Naruto, t'en as pas encore pris, toi, donc vas-y, je le prends celui-là. C'est le dernier, après on va passer au. Gardez vos noms, hein, gardez vos noms, les mecs, on va les utiliser de toute façon. Merci, merci beaucoup d'ailleurs, big up, hein, parce que là, je connais pas du tout les nouvelles méta, les pépites et les pépitos. C'est les fausses pépites, tu vois, les pépites pas bonnes. Christian Pavone, 25 ans, mec, hein. T'es sûr de toi, Géo? On va tester, hein. Allez. Allez, c'est parti. C'est parti, c'est parti. On va y aller. On va commencer avec un petit match. On va commencer avec un petit match. Un beau petit match. Alors, on va faire quoi comme compo là? On reste là-dessus pour commencer. Alors, on va regarder un peu ce que ça raconte là, retour de prêt, c'est pour le revendre lui. Nico Melamed, bah, je le garde sous le coude, Loulou.
Je le garde sous le coude. Rapport centre de formation. Ah ouais, il y a tout ça en plus. Oh, c'est chiant ça. Nolan Gaillard, par région, par joueur. Ok. Le premier rapport est disponible. Il a trouvé 15 joueurs en France. Ok. Rapport centre de formation. Il y a quoi à faire dans le centre de formation, les mecs? Gavi, 16 ans. Ah, Gavi, il a qu'à 2 millions, Gavi. C'est une blague, Louva? Ah, s'il a 2 millions, c'est clair. Ouais, bah on va faire ça. Ouais, c'est ce que je suis parti pour faire ça, Monégou 433. Je suis parti pour faire ça. Oh, il pue la merde, par contre. Alors, moi, j'ai une. Moi, je suis un peu excessif, peut-être, mais. Moi, globalement, je ne. Je garde que les mecs qui sont à plus de 90 en potentiel hein, dans mon centre de formation. Je garde que les machines. Hein. Genre, lui, déjà, lui, c'est sûr, toi, tu vas pas rester. Allez, Oust! Sale jeune. Je commence à avoir des fourmis dans les doigts là, j'ai envie de mettre des buts et de pas m'en prendre trop. Tant qu'à faire. Je fais pareil, je les fais jamais jouer les mecs du centre de formation. Ah Monégou. Non, il faut, en vrai, des fois t'as des vraies pépites. Hein. Et pour le coup, des vraies vraies pépites. Par contre, je vais quand même aller voir Gavi, ça m'intéresse, Sabouba, merci de l'info, parce que s'il est vraiment à 2 millions 1 Gavi, si c'est le même Gavi que celui que je connais, ouais, enfin, là, il n'y aura pas de discussion, on va acheter direct. Hein. Alors. Non, c'est pas ça. Vous entendez bien toujours, c'est bon le son. N'hésitez pas. Hein. Le prix a dû changer, bah je sais pas. En fait, je sais pas s'ils mettent à jour. Bon, franchement, je suis vraiment un noob à ce niveau-là. Gavi, Pablo Gavi est là. Ok. Alors, puis c'est milieu central, c'est parfait. Ah ouais, là on est sur un petit demander d'observer. Ajouter à l'accueil transfert. Il y a combien de temps d'observation là? 12 jours? Bon, allez, let's go. Ça date d'octobre 2021, son tarif. Ouais, bah, là, il y a une clause de libération à 15 millions quand même. Hein. Donc, ça roule. C'est rien vu, les gens ne savent pas. Les gens ne savent pas que quelqu'un me parle dans l'oreille. Hein. C'est ça qui est absolument fou. Allez, on va commencer à avancer là. Parce que. Regardez comme il est beau là. Regardez comme il est beau, Mr. Burns, avec son maillot de Monaco là. On joue contre Watford. De quoi? Ouais, t'as vu ça? Je vais couper le Discord, sinon j'ai l'impression que ça bug. Pépite est meilleur jeune. Ah bah ouais, nickel. Nickel, Popeye, il a reclaqué ton truc, ça c'est top. C'est top, c'est top. Je vais quitter Discord pour gagner un peu de. Hop là. Alors, Gianluigi Dora. Non, à 160 millions, ils sont là, tu sais. Est-ce qu'on a des offres? Aguilar est surpris, what the fuck. faut lui retirer les cheveux. Mais je peux rechanger mon mec ou pas là? Je suis surpris. On lui dit quoi, Aguilar? Il est surpris. On lui dit, bah, écoute, j'explore des pistes. Je ne garantis pas du temps de jeu. Tu serais mieux ailleurs. Ouais, tu serais mieux ailleurs. Vraiment. Vraiment, c'est ce que je pense. Et il est content. Ok, bon, ça marche. Le moral du mec, tu lui dis de se casser. Ça serait vraiment bien que tu te barres. Et le mec est content. Ok, très bien. Bon débarras. Non, on va respecter quand même un peu les mecs. La même longueur. Donc voilà, on est d'accord avec toi. T'es content de partir, on est content que tu pars. Voilà, qu'est-ce que tu veux qu'on te dise. La même longueur d'onde. Ouais, c'est bien. Bienvenue, coach. Ah, oui, Sam, ça c'est sympa, ça. Tout le plaisir est pour moi, oui, Sam. Bisous, bisous. Voilà. Tu peux le personnaliser même si la carrière a débuté. Ok. Ouais, on verra après pour lui enlever des cheveux, peut-être. C'est où? Modifier manager. Ah, oui, c'est là. Bah, vas-y, on va le faire vite fait, ouais. Juste pour lui enlever ses cheveux. Tête. Alors, attends, comment on fait déjà? Je me rappelle que c'est un bordel. Sourcils, hop, hop, hop. Menton, on s'en fout. Moi, c'est les vaches, moi. Cheveux courts. Non, c'est pas court, cheveux, c'est genre cheveux. Absence de cheveux. Y a pas genre le. Y a pas chauve. Genre ça, c'est pas court, ça pour moi, c'est. C'est un peu ça, hein. Pour moi, Philippe Clément, c'est un peu ça, tu vois. Ah, là, ouais, là, on est pas mal, là. On est pas mal, mais il manque un peu de. Il manque un peu de carrure, je trouve. Merde. Il manque un peu de carrure. Le chauve est tout au début. Bah merde, alors j'ai pas vu moi. Ah je galère. Franchement, j'ai la souplesse d'un hippocampe là. Ouais, mais c'est une grosse tête là. Y a pas moyen d'avoir une tête un peu plus. Là. Ouais, ça c'est. Là il fait plus Philippe Clément. Hein. On est d'accord. Carnation, bah, il est bien, on dirait Philippe Clément, les sourcils, ouais, je me rappelle plus de sa tronche. Hein. Le chauve est tout au début, attends, je vais regarder quand même pour oublier un truc là.
Mâchoire. Il a une bonne mâchoire, Philippe. Filou, il a une bonne mâchoire. Hein. On va lui mettre une grosse mâchoire. Voilà. Mâchoire, en Belgique, ça bouffe de la fritasse. Hein, donc, faut avoir le matériel qui va avec. Hein. Cheveux courts. Les gros clichés, c'est sur les Belges. Accessoirisé. Cheveux courts. Tu me dis, il est tout au début. Mais moi, je vois rien tout au début. Hein. Bah ouais, mais je vois R. C'est ça. Ah, il est là. Oui, il est là. Il est là, le chauve. Ah, voilà. Ouf, oh, ça fait. On dirait vraiment Hitman là pour le coup. Hein. Là, il fait. Là, tu vois, t'as pas envie de te prendre la tête avec lui l'entraînement. Ok. On est bien. Voulez-vous sauvegarder vos changements? Ouais, on est bien. Le costard, ça va, ça fera l'affaire. Hein. On va rester sur un truc un peu classique. Classicos. Ce gardien va monter. Van de Voort. Allez, Van de Voort. C'est vrai que j'avais pas de gardien, donc pour le coup, on va t'écouter avec attention. Surtout que Noble. Bon, voilà, dans FIFA, il est pas fifou, il est pas incroyable. Hein. Vas-y, on va prendre Van de Voort en gardien, Bouba. Allez. Et après, on va attaquer juste. Hein. Après, c'est parti. Après, on fait la compo. On fait la compo. Puis j'espère qu'on va vendre un peu aussi à des mecs pour pouvoir acheter. Van de Voort. Maarten Van de Voort. Let's go, let's go. Doté d'un énorme potentiel. Ah oui, j'avais déjà eu celui-là. Ramos de Porto aussi monte beaucoup en gardien. Ouais, on verra après mon égout. Je vais déjà commencer un petit match et après on va se refaire une saison. De toute façon après on a les. Pourquoi t'es fatigué toi? On a les. Comment? Ah ouais, il faut que je fasse les plans de développement des joueurs et tout après. Oh c'est chiant ça va faire. Oh, on verra ça après. Alors la compo. Il a 71 de base, puis passera 87. Ok. J'ai un Popeye TV qui me demande si je suis un robot. Ouais, c'est normal Erwan. Suis-je un robot? Du coup, les amis, on fait quoi là? Diata, Crépin. On va tricher un peu, c'est pas grave, il est pas là. Moi, je le mets quand même dans le 11. Enfin, dans les avec les remplaçants plutôt. Matadzo. Aguilar, bah non, ça dégage. Hein. Jean-Lucas, ça dégage. Jacobs, ça reste. Jacobs, est-ce qu'il va vite ou pas? Il est comment, Jacobs? Allez, vas-y, on va le tenter. Moi, je le tente. Je sais plus qui m'avait dit Jacob tout à l'heure. Dissasi, c'est pas possible. Ouais, bien vu, on va se prendre un petit def. Parce que même, je pense que même Badia, il est dégueu. Enfin, en stat là, non, en tout cas, il est dégueu. 76 aussi. Ouais, tant qu'à faire, on va mettre Badia, Fabregas, Deso. Ah, mais non, il y a Diop en fait, je suis con, faut mettre Diop. Diop à la place de Martins. Ah, ça fait chier aussi de se passer cette Martins en vrai. Du coup, t'es pas un repos. Faudrait vendre Dissasi aussi en vrai. Bah ouais, mais le problème, c'est que j'ai pas beaucoup de remplaçants derrière pour la def, pour faire tourner. Donc même s'il est pas titulaire, je préfère le garder en rotation quoi. Ouais, derrière on a rien, hein. On a que dalle. Hein. Un Matsima après, mais qui a 69 quoi. Enfin, dire, inutile de mettre Majeki dans les remplaçants, autant rajouter un joueur de champ. Allez, t'as raison. Enfin après tu me diras, là j'ai pas un. C'est un peu ce que je dis des fois dans les lives, c'est qu'on n'a pas un effectif surpuissant. On va mettre. Hein? On a des noms à la place d'Axel. Ok, bah écoute, on va continuer comme ça. Perso, ah ouais, moi je joue en perso, je sais pas comment vous jouez. Décidément que des bugs ce soir. Ouais, bah ouais, on n'est pas vernis ce soir, Monégou. On n'est pas vernis du tout. Alors en fait, les Monégou live, pour que vous sachiez, je les fais pas de chez moi, je les fais d'un local où j'ai pas entendu ton avis sur Gelson. Gelson, on va faire ça, ce que t'as dit, c'était bien, Monégou. On va pas le garder. Enfin, on va le garder en attendant d'avoir mieux. Alternatif, ouais, moi c'est pareil, mais avec un mode un peu spécial. J'accélère avec R2, je crois, et je. Non, j'accélère avec R1 et j'enroule avec R2. Qu'est-ce que je disais? Décidément que des bugs. Ouais, en fait, d'habitude, on ne stream pas d'ici. Je stream pas d'ici, c'est pour ça que j'ai une connexion qui est meilleure. Allez, c'est parti! Ouais, sensation aussi. Avec Sissoko. Alors, l'équipe de Watford, je connais pas trop. Je connais pas trop les équipes. Hein. Je sais pas trop regarder le chat en même temps, sinon je vais me prendre des vieux pions. Hein. Dégueulasse. Oh là là. Oh là là. Ah, vous sentez la mise en jambe compliquée là? Vous sentez le début de saison un peu sale? Ah, dégage-moi ce coup. Voilà, allez, on décale sur le côté. Sofiane. Boulot. Leur jeu, Jacobs. La merde. La prochaine, faut mettre les commentaires espagnols. Je sais même pas, moi j'entends même pas les commentaires là. C'est. Ouais, j'ai enlevé mon oreiller, je suis con. J'ai mis des. J'entends même pas les commentaires, ils sont peut-être en allemand, non?
En vrai, je les avais virés, ça me saoulait tellement les commentaires en français. Enfin, je sais pas vous, mais. Moi, ça a tellement me gavé que j'avais viré les commentaires en français pour rigoler, je les avais foutus en allemand. Une voix un petit peu douce et fluette. Allez, là, faut que ça bouge là. Oh là là, si, perte de balles, c'est pas vrai ça. Ils sont pas en joueur. Oh là là, le pion. On entend Philippe Clément gueuler. Ouais, bah là, ça commence bien. Hein. Oh, les mecs, je suis désolé. Là, j'ai un niveau de jeu. Ça va être scandale ce soir. Niveau de jeu, niveau de la connexion internet, à peu près. Hernandez, c'est le troisième des frangins. Hernandez, j'imagine. Ouais, et puis il n'y a pas de mouvement. Hein. Je pense que je vais devoir changer des trucs niveau tactique. Ajouter un peu plus de. Un peu plus de débordement, un peu plus. Oh là là, Jacobs qui se fait manger comme un enfant. Là. Comme un enfant. Il faut passer en 4-3-3. Ok, on va passer en 4-3-3 à la mi-temps si ça vous va. Okay. Essayez de pas trop chambouler. Ouais, d'accord. Mais en fait, en légende, c'est quand même des grosses machines. Quoi. Moi, je pensais que ça allait être un peu cool quoi. Doucement. Voilà, tire à côté. Oula! Tu viens de voir le but, Booba, ou tu viens de voir la frappe poupée? Parce que moi, je sais pas, j'ai l'impression que je lag, je suis dans l'espace. Hein. Je sais pas s'il y a du jeu de la latence encore. Popeinho Sanchez. Ah bah j'ai perdu Popeinho. Oh là là, putain, c'est pas vrai. Allez, on se concentre. Même son contrôle à Massina, il est éclaté au sol. Même comme ça, j'arrive pas à récupérer le ballon. Après, j'ai pas assez de vitesse sur les ailes. Hein. Diop en ailier, ok, mais pas vite. Quoi. Je le préfère un peu plus dans le centre. Enfin, qu'on joue sur FIFA, évidemment. Tout ce que je dis, c'est pas parce que je veux voir sur le terrain de Monaco, c'est juste. Juste ce que moi je pense. Jacobs qui déborde. Il s'agit le train de marchandises derrière lui à fond, c'est l'enfer. Allez, Jacobs. Oh non! Ah, sale! T'es plus là, Popeye? Je t'entends plus, je crois. Je pensais que j'étais encore en vocal, mais non. Golo, le corner! Oh là là, trop sur le gardien, ça, trop sur le gardien! Le train de marchandises, le fret! Allez! Ma répondre par contre, il est pas très rapide. Ah putain, merde, en fait, je regarde le chat en même temps, ce qui est complètement idiot. Ah, Neubel. Ah, merde. Neubel. Et qui avait parlé 2-0 pour moi déjà? J'espère que c'est pas Juju. Quel enfer. Ah ouais, là, il va vraiment. Je veux pas vous cacher que l'effectif est pas méga simple à jouer. Hein. En fait, les joueurs sont pas ouf rapides, pas ouf techniques. Il y a que Aurélien, Chouam qui fait le taf comme d'hab. Mais sinon, les autres sont pas incroyables. Et après, mon niveau est pas incroyable non plus, hein, je peux vous mentir. Surtout que là, j'étais plus concentré à résoudre mes problèmes de connexion internet qu'à jouer à FIFA. Allez, les gars, allez, on va s'y mettre là parce que j'ai pas envie de prendre un 4-0 par une équipe de peintres britanniques. Gute Pässe jetzt. Immer wieder wird der Ball kurz und schnell weitergespielt. Sie liegen hier ja auch vorne, also klar. Il est pas très rapide, mais ça doit être une titulaire incontestable en défense. Ok, Monegu, on parle là-dessus. Maripane, titulaire indiscutable en défense. D'ailleurs, c'est un peu comment, ouais, là, pour le coup. Allez, ça joue, allez. Oh là là, il n'y a pas de mouvement. Les passes sont dégueulasses. Oh, c'est un scandale. Oh, tout est nul, hein. Tout est naze. Et là, il n'y a personne. On a deux. Allez, les gars. Allez, Golo. Jacobs, il touche du ballon. Hein. Il en fait pas grand-chose, mais il en touche. Oh, Golovin! Oh là là là, c'est pas possible ça. Golo, et Philippe Clément là, Hitman sur le banc. Oh, Diop! Dommage. Popeye, il met un petit message dans le chat si tout est ok de ton côté. Parce que je ne t'ai plus en vocal. Je sais pas si c'est normal ou pas. Mais... Caillot, allez Caillot. Oula.
Ozan Tufan. Oh, c'est la débandade. C'est la débandade, les amis. C'est la débandade. Oh, mon Dieu. Mais sors-là, toi. Oh, la double parade de Neubel. Alors, celle-là, elle fait plaisir. Par contre, là il a remonté dans mon estime d'un seul coup. D'un seul. Non, mais c'est pas possible. Les joueurs sont vraiment des plots de chantier. Oh, non, mais incroyable. J'aime bien faire un duo Chouvani-Golovin au milieu pour le mettre. Ouais, je crois que là, il y a vraiment des trucs à changer. Hein. Là, il y a vraiment des trucs à changer, mais fort. Hein. Oh là là. Je vais rappeler Copeigno, là, parce que... C'est une catastrophe, les amis. Ce premier match, c'est vraiment de la merde. Oh, le scandale, quoi. Le scandale. Bon. Que dire? Ouais, bah, que dire, que dalle. Hein. Franchement, que dalle. Hein. Attends, je vais juste vous mettre ma tête 2 minutes pour que vous voyez à quel point je suis dépité. Faut que tu mettes en champion là, du coup. Non, en vrai, je sais recruter. Ouais, c'est ça. Vraiment, enfin, j'ai déjà joué à ce niveau-là. J'ai pas beaucoup joué, c'est vrai, sur le 22, mais ça passe large. J'ai fait des matchs et tout avant avec des. Mais le problème, c'est que j'ai fait des matchs avec des bonnes. Enfin, c'est un peu dur ce que je veux dire. Mais... J'ai fait des matchs avec des équipes avec plutôt un bon level, quoi. Et là, dur, hein. Volante, ça dégage. J'avoue, Volante, ça dégage grave. Hein. Ça dégage grave. Je vais remettre ma tronche, hein, tant pis si ça bug. C'est quand même plus, c'est un peu plus convivial de voir ma gueule, je pense, pour vous. Ouais, ça dégage grave. Franchement, c'est genre... C'est l'enfer. Cette équipe est infernale. Après, ce qui est bien, c'est que ça nous montre un truc, c'est que il faut recruter. Là-dessus, on est d'accord. Déjà, on va faire des changements. Je vais faire quelques changements parce que là, franchement, c'est pas possible. Et des joueurs, il n'y a plus la merde. Hein. Mais grave. Moi, j'ai envie de tester. On va innover. On va tester des trucs, les mecs. Qu'est-ce qu'on peut tester de fou? Là, on est mené 3-0 à la mi-temps. C'est soit on change tout, soit voilà. On va passer sur un truc dark. On va passer sur un truc comme ça. Voilà. On va faire les foufous, on va mettre Caillot latéral, on va mettre Diop Fofana, il va faire les frais du truc, hein, mais tant pis, hein. Là je m'en bats un peu les doigts, je vais pas vous le cacher, on va faire rentrer Miron, allez on fait rentrer Miron à la mi-temps, Sidibé la défense ça reste cohérent, on prend Brille Mbolo à la place de Volante et on descend Ben Yedder d'un cran, ok, tu veux que je remonte vocal, bah ouais si tu veux, hein. J'étais sur Discord si tu veux. Comme ça, au moins, tu peux me dire s'il y a un truc qui fonctionne ou un autre qui fonctionne moins. Mist Audio Call. Genre, c'est good, là? Let's go. Ok, allez, on est reparti. Une défense à 3 avec notre défense, c'est trop limite. Par contre, je sais, c'est limite. Mais là, on est juste... Là, on tente des trucs, hein. Je vais pas vous cacher, on tente des trucs. On essaye. On improvise. C'est la bamboche dans la défense. Quoi? Qu'est-ce que t'as dit? Non, je crois pas, non. Alors, on y va les amis. Une défense à 3, c'est trop vite. On va faire tout plus offensif en vrai. Parce que là c'était vraiment nul à chier. Hein. C'est vrai que là, j'ai aucune latence hein, pour le coup. Pressing constant, hors de position. Devant le but, poids sur trois de position, pressing constant. Moi j'ai envie de faire du sale. Largeur, on va utiliser la largeur. Profondeur, on va jouer offensif. Là c'est la mi-temps de tous les risques. Hein. Clément viré, de tous les instants c'est mieux. Ça sent le 6-0. Bande d'enfoirés. Construction rapide, passe directe, largeur. Allez, on passe sur les ailes. Jardim rappelé à la rescousse. Ouais, Philippe Clément viré. T'es viré de chez viré, tu es nul de chez nul. Là, je vais jouer full offensif, les mecs. On n'est pas en train de dire, ouais, voilà. C'est genre, c'est soit ça passe, soit ça casse. C'est soit 6-0, soit 4-3. Allez. Mais montez, là. Ouais, mais en fait, les mecs ne montent pas. C'est ça qui me fait... Il faudra que je règle ça, parce que c'est pas possible. Allez, Wissam. Oh non, Wissam, tu peux pas louper ça, putain, Wissam, il nous fait une Boadou.
Mais non, mec, putain, pas ça! Oh là là là, quel scandale. Oh putain, mais ah, si même Wissam ne sait plus nous. Ah, ça aurait pu vraiment relancer le match direct, tu vois. On aurait pu partir sur une petite remontada. Et là, on part sur la dépréciade, quoi. Allez, allez, chope la balle, toi. Putain, mais tu vas l'attraper, ouais. Sissoko. Ils sont bons ces bâtards. Oh, ouais, il a failli m'en mettre une bonne. Kevin Voland à la place de Badi Achille. Bah ouais, super idée ça. Le mec, il a remplacement. Oula, horrible la frappe. Ouais, ouais, j'avoue, la frappe de... elle était scandale. Scandale. Bon, les... Mais les... même les passes, enfin, hein, il y a des trucs, c'est quand même pété au sol. Hein. Allez là. faut que je fasse des trucs de zone et tout. Il y a trop de taf. J'ai voulu lancer le truc trop vite, mais il faut vraiment que je retravaille sur les tactiques et tout. Oh, Maripane, tu fais quoi là? C'est pas le con, hein. Allez, avance-toi. I will be back. Super gemacht, mit einem Hechtsprung kommt. Allez, Crépingateur, allez, ça rentre. On part là-dessus, on a effectif suffisant sur Mitchell. Ah là, vous voyez le niveau de l'effectif. Alors je veux bien, je suis pas ouf bon, je fais vraiment un match dégueulasse. Mais on a un effectif qui est quand même bien dégueu, hein. On va pas se mentir. On n'a pas un effectif de ouf, pas du tout. Allez, Sidibé qui fait le taf, allez, tue-le. Sidibé qui casse la rotule, joueur de Watford. J'ai une sorte de petite latence de merde là avec le. Sur l'écran, c'est pas ouf ici. Allez, fais quoi lui? Ah, Diata de la tête. Bah, Diata de la tête, son point fort évidemment. Tant qu'à faire, hein. Allez, hop. 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 Ah, trop tard, j'ai trop porté le ballon. Fallait que je le lâche avant. Hop là. Ah, bande d'escrocs, vous avez changé. On a un effectif suffisant selon Mitchell. Ouais, mon cul, ouais. Mon cul, Mitchell. Ouais, bah là, je mettrais plus eux gagnants quand même. Hein. Ah, puis là, la défense. Là, c'est là le problème. Hein. C'est là qu'on a les problèmes. C'est là où on se rend compte. Oh là, Gelson, par contre, il revient là. Gelson, il fait le taf là sur ses. Allez, remonte mon grand. Vas-y, fais un petit débordement là. Fais-toi plaisir. Fais ce que tu sais faire. Va tout droit. Voilà, tout droit, Gelson. Tu te fais pas mal. Allez. Oh non, c'est pas possible, j'ai une guigne de ouf en plus. Oh non, mais non, c'est pas vrai. En vrai, la deuxième mi-temps, ça va quand même beaucoup mieux que la première. Hein. Enfin, je veux pas me la péter, tu vois, mais... Beignet d'air volant. Pff, ouais, tant qu'on y est, la barre. Mais ouais, la barre, mec, j'ai pas de bol en plus, quoi. La bonne grosse barre, quoi. Allez, volant de la place de Beignet d'air, comme ça on est sûr de pas gagner ce match. Comment on fait déjà? R2. Vas-y. Allez, viens, mon grand. Allez, viens, mon grand. Allez, bébé. Allez, c'est pas vrai, en fait, les gardiens, c'est une soucoupe volante, leurs gardiens, là. Faire quoi pour lui marquer un but à lui, Bachmann là, on va le recruter Pépère, hein. Monaco, on a une pipe, c'est une pipe pas possible au but, et là c'est leur mec, c'est Barthez quoi. Hein? Ah oui, Jardim, il mettrait volant de Détroit et 16 en milieu def, ouais j'avoue, mais je suis pas Jardim, hein. Quand ça veut pas, ça veut pas, mais ça va venir, hein, vous inquiétez pas, ça va venir. Ça va venir. Moi, je vais pas lâcher l'affaire. Vous verrez, je suis assez têtu comme garçon. Par contre, ouais, qu'est-ce qui se passe, là? Ah, il y a un changement, ok. Allez, vas-y, si tu veux, fais ton changement, toi. Viens chercher la balle. Allez, Kevin, bouge ton boule. C'est Ben Yedder. Mais non, Ben Yedder, il est pas sorti, lui. Je comprends rien. Mais tu veux pas en passer une, là? Mais qui se vénère contre lui? Péno? Pas Péno. C'est dommage, hein. C'est dommage qu'on s'en prenne trois en première mi-temps, en vrai, parce que la deuxième, on est quand même beaucoup plus dangereux. Beaucoup moins... Voilà. On est pas en train de gagner, mais... Ah,
Mais dégage-toi, mais dégage-toi, mais c'est qui ce mec là? C'est Boisdoux, putain, mais c'est une pipe comme en vrai. Ah, oh, mais c'est pas possible, le mec il se met devant moi quand je vais shooter, mais c'est quoi ce placement de chien écrasé là? Ah, acheter des joueurs confiants, ouais, bon, on va acheter juste des joueurs de foot là. Franchement, ils allaient éclater cette équipe sur FIFA, c'est pas possible. Je savais pas que ça serait un aussi gros challenge de faire cette saison, mais je pense que ça va être infernal. Ça va être marrant, hein, vous allez vous marrer, les mecs, moi je vous le dis. Mais par contre, ouais, c'est à jouer, c'est moins fun quoi. Allez, un petit but là quand même. Ah, mais non, mais c'est pas vrai. What? Merde, je regardais pas. Gelson, ah oui, bah ouais, il fait mal sur les jeux pour les dribbles. Bah, il fait mal, ouais, il court méga vite. Le débordement, ça fait méga mal. Mais oh non, ça c'est la baise. Ah, elle est belle celle-là. Oh, elle est belle. Oh, le petit lob. Eux, c'est une frappe, un but, hein, soit des habitants, ils sont bons. Ouais, c'est ça, ouais. C'est exactement ça. Le Monégou League, pour ceux qui vont faire les matchs, ça promet avec notre équipe. Ouais, j'avoue, la Monégou League. Antoine n'est pas confirmé. Pas confirmé de quoi? Mon prono est perdu. Ah bah là, ouais. Bon, on va se rattraper sur le deuxième match, ok? Laissez-moi un peu d'échauffement quand même. C'est mon premier match de la journée. J'ai pas. Voilà. J'aimerais bien mettre un petit but quand même, tu vois, juste pour le plaisir de voir ce que ça fait, quoi, une marque un but, quoi. Ouais, c'est pas pour aujourd'hui, hein. Puis ça joue grave sale, en fait. Hein. Oh là 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 là. Luzza, c'est l'ancien. Non, mais c'est scandale. Ouais, la poteau, allez, vas-y. Simur FIFA. C'est Simur FIFA. Clément va dire que c'est une défaite encourageante, ouais, c'est ça, ouais. Ah oui, c'est vrai, il y a des trucs en plus à la fin. Là, je vous avoue que je regarde plus trop de toute façon le terrain. Bon, attends, mais... Voilà, premier match, première lose. Hein. Oh, et puis une bonne lose. Hein. Là, on a mis. On a fait le boulot. Hein. Ah ouais. Bah, ils sont. Là, donc je les ai mis en 5 minutes. Bah, en vrai, je veux pas les mettre plus longtemps. Hein. J'aurais pu. Ça sert à rien. Suivant, performance Boisdoux. Est-ce qu'on peut dire une performance? On a tout tenté, il ne manquait que la finition. C'est un peu ça. C'est un peu ça. C'est rien, c'est l'échauffement sur mon figurant pour sa première défaite de la saison. C'est exactement ça. C'est l'échauffement, pas de claquage. Et là, en plus, regardez contre qui on joue, les mecs. Vous avez vu le club qu'on joue juste après? C'est Bruges. Offre de transfert pour Disasi. Oh, les mecs, let's go, on vend Disasi. Et remettez-moi un nom de... Merde, de défenseur. Disasi, mais toi, on s'en fout, toi. Allez, ouste. Axel Disasi, il vaut combien? Entre 18 000... Ouais, vas-y, plus que ça, hein. On essaie de le vendre cher. On va négocier, non? On négocie. Nico Elvedi. Ouais, Nico Elvedi est déjà dans les tuyaux. Bah écoute, on va essayer de prendre... On va essayer de prendre Nico Elvedi. On va essayer de négocier. J'espère qu'ils ont pas tout changé, là. Allez, Oust, on s'en fout de ça. Nous, on veut jouer. Maintenir pour passer, ouais. Proposer nouveau montant. Allez, 18 millions. Négocie pour au moins 15 millions. Ouais, je mets 17. Des Rennes, Ajax, 7 millions. Ok, je le note. Ouais, mais après, il faudrait quand même un ou deux mecs confirmés, les gars, parce que vous voyez comment ça va être la galère, sinon... C'est quand même en mode légende, je suis pas en mode débutant non plus, quoi. Négocier au moins 15 millions. Allez, 17 millions, c'est bien. Ok. Ouais, si vous avez un ou deux confirmés, ça serait cool. Genre, un ailier confirmé et un défenseur confirmé. Si vous pouvez me trouver ça, les mecs, c'est parfait. Prochain match, c'est contre Bruges, Coco, si tu peux mettre la prédit. Je veux voir en joueur confirmé. Vas-y, merci, mec. Merci, Booba. T'es un vrai bro. Merci, Coco. T'es un vrai bro aussi. Proposer nouveau montant. Soumettre l'offre. C'est ça? Let's go. 17 millions. Oh, la suspense. Ben Arfa. Non, pas Ben Arfa, c'est mort. Ben Arfa, c'est mort de chez mort. Quoi, 12 millions? Vas-y, t'es une rascasse, toi, c'est pas possible. Vas-y, 15 millions, allez. On essaye 15 millions. Laissez expérimenter Matthias Ginter. Allez. Ouais. Ouais, vas-y, 12 millions. Vous voulez que je vais pas le vendre à 12 millions, Disasi, quand même? C'est un peu de l'arnaque, non? Attends, c'était pour la blague, ouais, j'espère. Je le vends pas pour... C'est mieux que rien, tu penses? 12 millions, je le vends. Ou on attend un peu, non? Je sais pas, ça fait un peu mal au derge de le vendre pour 12 millions.
Enfin, peut-être pas de là à dire. Il y a début de bagarre là. Il y a Jason Statham qui va. Brighton and Hove Albion. Vas-y, je vais essayer 14. Allez, on va essayer un dernier truc. On va essayer à 14 millions. Et par contre, c'est des rapaces. Hein. Je sais pas qui c'est. C'est Sassuolo. Soumettre l'offre. Allez, nous estimons. Voilà. On trouve élevé. Ouais, vas-y. Allez, ouais. Bah, vas-y. Au revoir. Tu m'as saoulé. Il m'a saoulé, lui. Non, non, il m'a saoulé. C'est bon. Mec, 14 millions, ça va. Je ne demande pas la lune non plus. Hein. Tant pis, c'est pas grave. Par contre, faut que je mette sur la liste des transferts, du coup. La liste des transferts. Et là, ça joue directement. On va changer la compo, hein, les mecs. On va passer en... On passe en quoi, en compo 4-3-3. On va faire des trucs, hein. Mais moi, j'aime bien jouer sur les ailes. Hein. Je suis un mec qui adore jouer sur les ailes. Pas loin de Nantes, en confirmé. Le boucher nantais. 4-3-3. Qu'est-ce qu'on peut faire de bien, là? Ça, non. Ça, ou... Ouais, ça peut être pas mal, en vrai. Hein. Après, je suis... Koscielny. Ah non, pas Koscielny. T'es fou, mec. 4-3-3 défensif. Resserré. Non, pas resserré. Ça pue la merde. On va jouer en 5... à 5 derrière, hein. Allez, on va jouer 4-3-3 offensif. Joue en 4-4-2, mais on joue en 4-4-2. Hein. 4-4-2, pas ouf le 4-4-2. Hein. Je veux bien, hein, mais pas dingue. Hein. Où ça? En diamant comme ça? Ouais, mais ça pue la merde pour les trucs. Allez, en 4-4-2, allez, vas-y, on va jouer en 4-4-2. C'est vrai que non, on était pas en 4-4-2, on était en 4-4-1-1. Ouais, ça par contre, ce qui pue, c'est qu'en plus, ils sont tous fatigués du coup. Mathias Ginter, allez vas-y, on va prendre Mathias Ginter, on va regarder. Histoire d'avoir un peu de... Contre Bruges. Eh mec, vous avez trop la foi les gars. Je viens de me prendre un 4-0 pour le premier match et vous mettez encore gagnant, c'est sympa. Hein, mais... 83... Ouais, 36 millions les mecs, vous avez vu le prix du mec? Vous avez vu le prix du gars? Mais je peux pas acheter ça les gars. Vous imaginez, c'est pour ça que je veux pas vendre Disasi à 12 millions. Vous imaginez le prix qu'on doit mettre pour un mec là, il est bon, mais il a 83, c'est pas non plus. Il a 27 ans, 83, c'est pas non plus. Vous avez vu le prix du mec, 36 millions. Et encore, ça c'est hors négo, je sais pas. Enfin, c'est rush quoi. 4-3-3 offensif. Ah, je sais pas ce qui pourrait m'aller le mieux, moi en vrai. Ça dépend, parce que ça va dépendre des joueurs dispo aussi. Prends celui que je t'ai dit là. Lequel? L'MP. Lampté. Dis-moi, il vaut moins cher. Lampté, vas-y, ouais. Je regarde. Faut que je fasse ma compo grave après. Faut qu'on fasse un truc. Faut qu'on discute après. Faut qu'on discute football. Lampté, Tariq Lampté. Hop. Doté d'un énorme potentiel. 74, ouais, c'est ce qui est pas mal. Il vaut 23 millions, joue à Leicester. Vas-y, on va regarder. C'est pas lui qui a fait une énorme boulette il y a pas longtemps. Il me semble, hein. Il me semble bien, hein. Pas non facile, hein. So Yunsu. Ouais, So Yunsu, ouais. C'est lui. Ajouter à liste des transferts, ok. Let's go. On rapatrie Abdou Diallo sinon. Ah, c'est pas con. Ça c'est une super idée, Monégou. Ça, j'aime bien. Parce qu'il doit pas être trop cher, je pense. Il y a moyen. Abdou Diallo, 25 ans. Ah, j'aime bien son profil. Hein. Puissant. Expérimenté. Assez grand. Monégasque. Vas-y. C'est pas une mauvaise idée. C'est pas une mauvaise idée du tout. Allez, let's go. On va avancer un peu là. On va essayer de se faire ce match. Alors, est-ce que c'est maintenant tout de suite? Tout de suite maintenant. Ah, c'est tout de suite maintenant. Ok. Ouais, du coup, faut que je change grave ma compo. Là, parce que. Wow, l'équipe, elle est pétée là. L'équipe, elle est pétée au sol, les amis. Comme mon niveau pour l'instant. 4-3-3 offensif. Moi, je partirais bien là-dessus pour commencer. Du coup, on va mettre qui là? Bouadou, il est cramasse. Super. C'est top. C'est génial. Là, ça va être dur. Hein. Là, les mecs, ça va être dur. Franchement, ça va être rude là. Ça va être rudasse là. Oh là, ça va être l'enfer. Ça va être l'enfer. On va dire Sazi, tu vas pouvoir jouer. Vas-y. On va regarder ça. Oh là là, ça sent pas bon. Je suis désolé. Je vais... bon, Vanderson ou Aguilar? On va mettre Vanderson. Allez, on met Vanderson. Allez.
La première de Vanderson. Mec, franchement, je joue avec... on reprend gentil TGV Mbula. Ah, j'avoue, c'est pas con. On va faire jouer Vanderson. Première de Vanderson sous les couleurs de l'AS Monaco. Et oui, les amis. Harrison Marcelin, il a 71. Hein. Ok. 21 ans, 71. Bon, on va mettre Chris là. Hein. Oh, les mecs, mais vous voyez aussi la dégaine de ma team, les notes de mes joueurs. Vanderson, allez, let's go. Let's go, Vanderson. J'ai pas de banc en plus, du coup, ça c'est génial. Je vais avoir Aguilar et Jean-Lucas sur le banc. Tous les gens qu'on veut le vendre, en fait. la team Mercato out sur le banc. Isidore, ok. Badia. Oh là là, c'est l'enfer en vrai, c'est vraiment l'enfer. Oh. Ah ouais, mais là, vous voyez le taf qu'on a sur l'effectif ou pas? Pour jouer. Oh là 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 là. Ah, tu joues avec Fofana, Matado, j'aime bien. Mais là, il y a des stats qui sont dégueu quoi au début. Hein. Fabregas en 10, ça va être une lenteur infâme. Je te mets peut-être presque à foutre Isidore quoi. Tu m'entends? Quoi? Ah bah, les cuts ou quoi? On lance la Cléo. Ah, pourquoi pas? Ouais, je sais pas. Bah, allez, vas-y. Vanderson, on lance la Cléo. Bah, si tu veux, mec. Hein. À la place de Fabregas. Ouais, mais mec, te rends compte de ce que tu me demandes de faire? Gars, tu me fais jouer avec des mecs qui ont des stats. On dirait mes stats, quoi. On dirait moi, si j'étais dans FIFA, j'aurais ces stats-là quasiment. Non, peut-être pas, mais. Oh, et l'enfer, franchement, c'est l'enfer. Matadzo en. Mais non, pas Matadzo. Matadzo en MOC. Non, t'es ouf, mec. Ou alors je mets Jean-Lucas et puis. Quoique c'est une idée, parce qu'en vrai. Ah, sinon on met Cesc, allez, vas-y. On laisse Cesc et puis on verra bien. Allez, vas-y. On laisse Cesc. Alors attends, non, contre les modifications par contre. Moi, ce que je veux, c'est que ça attaque. Pressing de tous les instants. Pressing quand l'adversaire a ta contrôle, on a contrôle dans son but. Ok, nickel. Largeur, vas-y, on défend dans la largeur. Profondeur, on défend très haut. On défend très très haut. Moi, c'est football total. Hein. Moi, je vous le dis, c'est. Je m'en bats de prendre des 4-0. Je veux qu'on voit des buts. Construction rapide. Poussez-moi la construction rapide. Exposé au contre. Moi, j'aime bien les passes rapides. Non, construction rapide, c'est bien. Occasion. Appel de balle. Appel de balle, ça oui. Appel de balle, il faut. Hein, parce qu'appel de balle, c'est l'enfer. Hein. Jean-Lucas en MC. Allez, on va peut-être faire ça quand même. T'as raison. Parce que Fabregas. Je vais être pas bien, je pense. Corner, on joue offensif. Hein. Moi, c'est la formule offensive. Petit débordement sur les ailes aussi. On s'en fout. Instruction, ouais, c'est ça. Diata, création d'occasion. Ouais, mec, vas-y. Libre offensif. Ouais. Merde. Bon de nom. Dans le dos de la défense, très bien. Et ici, c'est quoi? Rester au large. Toujours rester sur les ailes et près de la ligne de touche. Mais oui, c'est ça qu'on veut. Et je vais jouer avec Jacobs, attaquant droit, quoi. Tu nous fais la passe. Tu refais la passe au pigeon de Clermont. Libre offensif, repiqué au centre. Je sais pas trop ce que je fais là. En vrai, je fais de la merde. Hein. Je pense que je fais de la merde. C'est pas grave. Mais c'est pas grave. Pff, ouais, je sais pas. Franchement, les gars, ça va être l'enfer. je vous annonce, vous allez bien vous marrer. C'est quoi les. La prédite du coup? À combien? 0 contre 10, c'est ça? Oh putain, je crains le pire. Hein. Ok. Bon bah c'est parti hein, les gars. Toujours moins lent que Fabregas et c'est intersaison donc faut le tenter. Allez, on le tente. Allez. Oui, c'est vrai qu'on s'en fout un peu hein, de ces matchs-là, faut le dire aussi. On n'est pas sur c'est pas les matchs les plus essentiels de la saison. Hein. Allez. Let's go. Volant en pointe, ça va être dur. Ça va être très dur. Tout, ça va être très compliqué. Là. Je compte beaucoup sur Diata, à vrai dire. Et puis surtout que... Oh, c'est vrai qu'on fait. 3-1. 3-1 pour Bruges, du coup. C'est ça, à mon égout. Ah, parce que là, il faut voir la gueule de ma défense. Hein. C'est bien, tu m'as écouté. Bah, tout à fait, Juju. Toujours, je n'écoute que toi d'ailleurs. Tu marqueras. Ok, Adisazi qui est transparent. Comment on va d'ailleurs? Allez, let's go.
Ça part de là. On y va, on casse tout. Ouais, Popeye, c'est quoi ton pronostic? Au pire de deux, ok, au pire de deux, au pire du pire. Voilà, j'arrête de regarder le chat. On concentre sur le game parce que c'est déjà compliqué. Hein. ASM 2-1, ok. Allez. Sie sind ein sehr ehrgeiziges, ein sehr ambitioniertes Team und da gleich mal mit einem Titel in die neue Saison einzusteigen, das wäre doch was. Die Chance jetzt. Oh là, oh là, pas de faute dans la surface. Hein. Oh, mais c'est quoi ce jeu là? Dégagez! Oh mais non. Ouf. Oh là là, le 3-1 c'était pour toi, le 3-1 c'était pour moi. Tu veux gagner 3-2? Ouais, ok. Ok les gars, optimisme, hein, celle-là elle est vraiment pas passée loin. Ça roule, pas de sous. Allez, on va essayer d'aller de l'avant un peu là. Allez, on va essayer de faire des trucs, on va essayer de faire des trucs. Le corner. Les commentaires allemands, on se croit sur Call of. J'entends même pas les commentaires en plus. Nubble qui tombe comme une frite molle. Ouais, j'avoue, il est pas fou. Hein. Mais c'est bien, c'est mieux les commentaires. Franchement, les commentaires français. Ah, il n'y a pas corner. Les commentaires en allemand sont tellement enfin, les commentaires en français sont tellement insupportables. Que... Allez, Diata, tu veux pas nous faire un truc sympa là quand on lance une équipe? Genre mettre un but. Récupère ça, toi. Oh, mais je des plots de chantier, des plots de chantier. FC plots de chantier, hein, Monaco, là, pour l'instant. Ah ouais, en même temps, là, ils font n'importe quoi s'ils bougent. Allez. Allez, allez, allez. Allez, Bruges. Ils font grave tourner, c'est horrible. Là, j'ai l'impression de courir après le ballon. Enfin, c'est pas que j'ai l'impression, c'est vraiment ce que se passe. Hein. C'est de courir après la balle. L'Inter de Milan de Bruges, là. De Kattler. Oui, mais il rentre dans la défense, mais comme dans du beurre, quoi. C'est... Ah, voilà. Voilà, Matsima. Vanderson qui déborde. Vanderson qui n'avance pas. Ah, c'est horrible. Ah, c'est horrible, putain. Les coms en français dégueu, franchement, qui nous ramènent ce Debine. Ouais, j'avoue. J'avoue, les commentaires en français, c'est vraiment infernal. Ah non, mais c'est... C'est trop simple pour eux, là. C'est trop simple. Allez, Noble. Allez, Noble. Allez, Noble. Allez, non, Noble. C'est déjà bien, tu n'as pas pris de but. Qu'est-ce que tu disais, Juju, du coup? Le penalty. Bon, je pars où, les mecs? Je pars à droite ou je pars à gauche? Attends, je mets en pause pour que vous ayez le temps de... Je pars à droite ou je pars à gauche? À gauche, hein. Enfin, à ma droite, enfin, à la droite du gardien, en tout cas, à ma gauche, moi, je dirais. Moi, je suis plutôt team par à gauche. Allez, vas-y, on se la tente, tant pis. Le péno, Meuble, elle est belle, et bam! Hein? Elle est belle. Allez! Noble, vous en faites l'attente. Regarde la tête du joueur, elle bouge du côté où il va tirer. Ok. Fais ça au feeling. Ouais, il est là mon feeling, mec. Il est là mon feeling. Avec une belle faute de Noble qui a pas pris de carton d'ailleurs pour le coup. Oh, le début de saison. L'avant-saison cauchemardesque. C'est l'avant-saison où l'entraîneur peut déjà se faire virer, quoi. C'est là où c'est compliqué. Jean-Lucas qui déborde, est-ce qu'il va nous faire une aile de pigeon, vous pensez? Non, pas aujourd'hui. Okay. Mais. Allez, c'est qui ça? Jacobs, ouais, mais. Jacobs, il sait même pas ce qu'il fait là, je pense. Allez, tue-le toi. Vanderson? Ah, mais non, mais Vanderson, mais c'était même pas rapide, mec, tu me sers à quoi? Tu me sers à quoi, Vanderson? Voilà, voilà, c'est ça qu'on veut, de l'impact au milieu de terrain, de la violence, un peu de brutalité dans le jeu là. Allez! Goal, Matazzo, bien joué Juju, bien vu Juju. Voilà, c'était pas
C'était pas acquis, hein. Il était pas acquis, ce but, hein. Ah, il n'y est pas encore, hein, mais pourquoi pas, hein. Il est là, le but. Matadzo, premier buteur de... Matadzo buteur, ouais, incroyable, incroyable. Matadzo qui joue en 10 en même temps. Hein. Tu leur as fait du sale, mon chouchou qui marque, il est là, tu sais. Ah, j'avoue que là, ils ont pris un... j'ai fait un bon petit enchaînement, là. Tu vois, ça commence à venir tranquillou, tu vois. Pourtant, là, je joue vraiment avec l'équipe C, hein, quand même. Enfin, l'équipe C. C'est-à-dire que pour FIFA, c'est pas l'équipe la plus simple. Avec un... Et encore, ah non, mais là, ça, c'est là où, en fait, c'est, dès qu'ils accélèrent, les mecs, je suis perdu, quoi. Je suis à la rue. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est beau, ça, la récup. Allez, on remonte. Mata, il est là, regardez. Clinton Mata. On a failli acheter. Non, non, mais, oula. Attention. On repasse derrière, tranquillement. Tu poses le jeu, la passe décisive. Ça contrôle, ça va vite. Fofana dans l'axe, Fofana, la frappe. Oh là là, même si Fofana se met à frapper. Le plus bas salaire du 11 qui marque, t'as vu ça? Là, il commence à subir un peu, là. Oh, le but! Oh, le CSC! Oh, le vieux CSC! Ah, je pensais pas marquer un but aussi moche ce soir, mais voilà, ça fait toujours plaisir. Il y a vu Popeye, hein, pour le 2-1, pour l'instant. Alors, la frappe, elle est CSC, ouais, elle est dégueu, hein. Je sais pas ce qui se passe. Ah, c'est le garde, c'est le défenseur qui se la prend en pleine tronche. Ouais, je sais pas si elle rentre ou pas. Non, elle rentre pas, hein. C'est vraiment lui qui la met, du bras en plus. Voyez ouais, l'autre, c'est le but gag à fond. Eh, on voit des beaux buts sur le Mounegou Live, hein. Des bons gros jeters, bah ouais, ça, CSC. C'est juste le but dégueulasse. Ah ouais, les buts dégueu. Mais c'est pas grave, c'est un but qui compte. C'est un but qui compte, là. Ouais, bon, maintenant, le tout, c'est de pas s'en prendre 4, quoi. Oh là, ouais, non, mais chaque accélération, en plus les dribbles sont parfaitement exécutés à chaque fois. Ah, Disasi, en vrai, là, il fait le taf, hein, je trouve, sur ce match-là. Ouf, ça va. Allez, part. Oh non, mais non, tu peux pas faire ça, Fofana. Tu peux pas me faire une passe aussi éclatée que ça. Putain, il a niqué toute l'action. Le Katlar, là, il me fait chier, lui. Allez, donne-moi ça, toi. Voilà, Matsima il fait le taf, hein. C'est pas le but que j'ai mis en main. Non, c'est sûr. C'est sûr, c'est pas le but de l'année, hein. En même temps, là, vu les joueurs que j'ai sur le terrain, vu leurs notes, je vous garantis pas de mettre le but de l'année, hein. Personne n'arrive pas à percer notre défense. Et là, Mounegou. C'est la mi-temps. Ah, c'est la mi-temps, j'aime pas, fais gaffe. Ah, mi-temps, première mi-temps, 2-1, hein. On est là ou pas? On est là. Eh, pour l'instant, Popeye, il est bon dans les pronos, hein. On a gagné la sucette, au comment, évidemment. je me tâte quand même, alors ça va pas vous plaire, hein, mais je me tâte à faire rentrer Aguilar, parce que Vanderson, il est gentil, mais là, 69, c'est compliqué, quoi. Je pense qu'il est même pas rapide, à 77 quand même, rapidité. Ouais, non, je vais le laisser, vas-y, je le laisse, Balek, allez. Allez, Balek. Tu vois, Ménir en moque, non, mais n'importe, Juju, on va pas non plus, réinventer, ouais, pour l'instant, on va rester là-dessus. Allez. J'avais dit 2-2 ou 3-2, donc j'ai mes chances pour le prono tout à fait. 3-2 pour Bruges, hein. C'est ça? Tu as toutes tes chances, effectivement. Parce que là, les joueurs sont pas ouf. Mais quand ils vont être fatigués, ça va être. Oh, d'ailleurs. Les joueurs pas ouf fatigués, c'est compliqué. Voland, on l'a pas vu par contre. Hein. En même temps, j'ai que 2 actions. Hein. Ah bah, Persin qui sort. Hein. Persin, il a entendu Mounegou, il se casse. Oula, le petit coup d'épaule là. Allez, on met la presse, là. Par contre, je suis plutôt content de la compo, en vrai. Je trouve que c'est assez... c'est pas mal. Avec des bons joueurs, ça serait vraiment le top. Là, j'ai des joueurs qui sont quand même pas oufissimes. Eh, mec, j'ai une idée. On ferait pas revenir Rames Rodriguez au Mercato, là. On avait parlé, en plus, dans le chat, je m'en rappelle. Il a une frappe de fou, tu vois. Ok. Ouais, attends, ça pue, ça. Calmez-vous. Ah, non. Putain, c'est pas vrai. De Katlar, tiens, c'est de Katlar, ça, non? Ouais, de Katlar. Oh là, et puis le mec, il se retourne, c'est poteau rentrant directos, quoi. Faut tenter de loin, en effet. Bah, mais j'ai pas de Tchouaméni, là, hein. Rendez-vous bien compte que là, j'ai une équipe de peintres, hein. J'ai genre l'équipe B, mais genre sur FIFA, l'équipe B, ça vaut rien, hein. Mais genre, rien de rien. Allez, Kevin.
Oh mais Kevin, c'est pas vrai, putain. Oula. Et Kevin. Da wären sie fast in Rückstand geraten. Jakob. Ah oui, c'est très allemand les commentaires là, on peut pas se tromper. Ball ist unterwegs. Ah mais il va chier toi. Allez là on va se prendre un vieux contre. Allez. Et le problème c'est que la défense a tellement la charrette que prochain match écoute-moi Mok. Ouais, Tchouaméni en Mok, ouais je suis pas ouf convaincu. Moi j'ai besoin d'un mec qui va vite en Mok hein, surtout. Moi les frappes, c'est pas là où je. Moi je suis plus joueur vitesse hein, que frappe. Oh putain, ouais, ça c'était peut-être pas l'idéal. Allez, hop. On tentera, hein, t'inquiète, on va tenter. Allez hop, ça décale. Vanderson. Y'a personne là. Y'a personne. C'est quoi cette équipe là? C'est quoi cette équipe de ouf là? Ah, ils me rendent dingo les mecs. Lucas, garde la balle, c'est bien bonhomme. Oh non, j'ai trop patienté. Jakob, prochain match, écoute-moi, Mok. Moi j'entends même pas les commentaires, mais je vous avouerai que je m'en fous total. Hein. Pour le coup, faut des changements ou pas les mecs? Ah ouais, bah là, ouais, tous les noms allemands, ils sont à fond. Hein. Fallait frapper plus tôt, je pense. Ouais, peut-être, ouais. J'ai tendance à faire beaucoup la passa de la muerte, c'est-à-dire la passe en retrait de la mort. Plutôt qu'à frapper en général, mais c'est vrai que j'aurais peut-être dû frapper là, t'as raison. Allez hop, on dégage ça, on essaie de faire ça propre. Oh, il y a claquage au milieu là. Ah, Jean-Lucas, la remontada de la... Oui, là Kevin, sur l'action avec Vanderson, je précise, ouais c'est vrai. Et là le petit Kev. Kevin Volante qui marque petit sur FIFA, c'est du droit en plus, je crois, si je dis pas de conneries. Bon, le but est pas incroyable. Hein, mais... On fait des changements peut-être. On va faire des changements, les mecs, hein, parce que là, ça va commencer à piquer. J'avais dit 3-2. Ah, écoute, faut que ça tienne maintenant, Juju. Hein. 70ème, je te promets pas. Je te promets pas de la tenir jusqu'au bout, celle-là. Alors, du coup. Est-ce qu'on fait des changements, les amis? Centre de la tête volante, c'est bon. Vanderson, je vais le changer quand même, les mecs. J'ai besoin de vitesse, là. J'ai besoin d'un mec qui a un peu de punch. Ok, Aguilar, on le vend, mais là, il est là, on va s'en servir. Parce que franchement... Harrison, Marcelin en défense, peut-être? Histoire d'avoir un peu de fraîcheur derrière, à la place de Matsima. Je sais pas pourquoi il est meilleur, en vrai, dans FIFA. Je comprends pas. Pas de blague, Philippe, faut tenir, maintenant. Philou, pas de conneries. Centre de la tête volante, et bon. Isidore en Mok. Vas-y. Fabregas ou Isidore? Mais Isidore, il n'y a même pas de vitesse. Il n'y a rien, putain, il est dégueu. Bah, franchement, vous me faites jouer des... Ouais, même Fabregas, je préfère un mec qui sait faire des passes au moins, tu vois. Allez, Isidore ou Fabregas, dites-moi dans le chat. C'est vous qui choisissez, là. Fabregas, Isidore, Fabregas. Ah ouais, il y a lui aussi, ouais. Ouais, mais lui, c'est pareil, tu vois, les stats, elles sont pétées, hein. T'as vu? Lui, limite, c'est le genre de joueur, on l'enverra en prêt, tu vois. Fabregas. Allez, on va mettre Fabregas. C'est plus raisonnable, quand même, tu vois. Mais du coup, je vais peut-être faire... Je vais garder... Attends, comment on va faire? Je vais garder Matadzo et je vais le faire descendre. Jovetic. Ouais, j'aurais préféré Jovetic aussi. Ou alors, limite, Matadzo, on peut le laisser là. Non, on va le mettre là, parce que Fabregas, il va pas rattraper les mecs. Allez. On y retourne, les amis. Triple changement. Bah, limite, parce que ça me fait marrer. Je trouve ça plus fun. Tu vois, les commentaires en allemand, je me dis au moins, t'as un côté un peu rigolo, quoi. T'as l'impression de regarder Papa Schulz ou Papi fait de la résistance. Alors que les commentaires en français ont vraiment aucun intérêt. Hein. Parce qu'en plus, une fois sur deux, ils sont hors contexte. Ouais. Ça, c'était un peu hors contexte. Ouh. Ouh là là. Oh, on n'est pas passé loin du deuxième péno, je crois, les amis. Bon, allez. Allez, Kevin.
Oh, faut tester ça. Faut la tester, faut le tester le pauvre. Oh, on va le prêter, non, tu penses pas? 63, mec. Je veux bien tester des trucs. 63, ouais, ils sont horribles. Commentaires en français, ils sont horribles. Faut le tester, ouais, on va le tester. Bah, mais là, je peux plus. Parce qu'en fait, je pense que dans celui-là, il y a que 3 changements. Hein. Ouais, il faut tenir maintenant. Pas de blague. Bon, déjà, on est d'accord, il y a une petite évolution, quoi. On est plus sur un 4-0. Allez. Voilà. Ça, c'est de la récup. Ça joue pas dégueu, bizarrement. Je suis assez surpris de cette équipe parce que ça joue finalement bien mieux que. Que la première. Première team. Peut-être la compo, peut-être au-dessus de chose. Il y a corner. Ah, 6 mètres. Ah, si, je peux faire un changement encore. Allez. En pré-saison, c'est changement illimité. Allez, on va faire rentrer le banc. Alors. Allez. Il reste qui? Isidore et allez. Ouais, mais Volante, ça me fait chier de le sortir. Par contre, les mecs, je vous le dis, parce que bon, bah, Matadzo, tu vas sortir. Ou alors, je mets Akliou à la place de Jacobs ou à la place de Matadzo. Akliou Matadzo ou Akliou Jacobs. Suspense. Allez, on va mettre à la place de Matadzo. Allez. Et on va intervertir en MC, ça passe. Non, mais il est moque même, il est milieu offensif. Je vais mettre en milieu offensif et Fabregas, je le descends. Comme ça, Fabregas, il est à son poste. Isidore, ouais, mais Isidore, tu veux le foutre à la place de qui? Isidore à la place de Jacobs. Isidore à la place de Jacobs. Ça, à la limite, ça peut le faire, ça. Parce que c'est un attaquant, ailier. Ça peut être pas mal. Par contre, vous voyez la diff de perte de, la perte de vitesse qu'on se prend? Jacobs est cramé, ouais. Ouais, mais bon, Isidore, il est pas cramé, mais il court pas vite, quoi. Allez, on part là-dessus. De toute façon, on n'a plus de changement. Enfin, on n'a plus personne à faire rentrer. Caillou est cramé. Ah, tout le monde est cramé, là. Hein. Tout le monde est cramé. Et de toute façon, mais j'ai plus de changement. Hein. J'ai plus de changement, les amis. Allez. On n'a même pas le... Ouais, on a même pas le corner, du coup. C'est quoi ça? Oh. Isidore, reviens défendre. Reviens défendre, Isidore. Allez, fais pas le con. Bah, il y a Rongeau là-dessus. Ah ouais, j'allais dire. Eh les mecs. Golovin, Fofana. Ah, je peux faire rentrer Golo. Ouais, mais ils sont déjà morts, les mecs. N'est pas cramé, il marche. Faire jouer volant d'Isidore. Ah, je suis pas. Changement de compo en cours de match, je suis pas ouf. Hein. Je suis pas ouf, fan. Hein. Enfin, sauf. Je préfère bien tester les compos, tu vois, jusqu'au bout. C'est important de voir aussi, justement, comment tu subis avec ta compo. Ouf. Après, là, c'est vrai, je prends quand même des gros risques parce que je joue vachement haut. Allez, hop. Oh, ça, c'est beau, ça. Ah, dommage. Ouais, le temps qui défile, c'est bien. Ballon sur le terrain, c'est le bordel. Attends, on l'a pas vu du match, hein. Je pensais qu'on le verrait un peu plus. Bas Dost, il a une de ses dégaines, le gars, c'est une calve de ouf. Ah là là, Neubel, prends ton temps. Bon, oh là là. Alex. Oh non! Non, c'est quoi ce bug? C'est quoi cet enfer? Oh, j'ai badé, les gars, vous imaginez même pas. Allez, c'était un petit peu du vol sur la fin. Qui visite le stade avant de partir. Allez, et voilà, première victoire, les amis. Ça fait plaisir, celle-là. C'était mal barré pourtant. Hein. Performance, Ruben Aguilar. Est-ce qu'on peut parler de performance quand on dit Ruben Aguilar? 8 tirs, passe réussie 45. Oh là là, j'ai un nombre de passes réussies qui est scandaleux, quoi. J'ai un pourcentage de possession plus élevé que mon nombre de passes réussies. La louche de Clermont. Ouais, il a tenté celle-là, ouais. 3-2. Ouais, bien vu, Juju. Bien vu. Ce qui fait qu'on reste dans la... On reste dans le game. Pour la coupe. On reste dans le game pour la coupe. Bien joué, Monégou et Monaco Ju. Bien joué, les mecs. Donc là, on est deuxième, hein. En vrai, un nul et on passe.
Offre de transfert pour Caio Henrique de Piemonte Calcio, donc qui est la Juventus de Turin. On refuse, évidemment. On parle pas. C'est vraiment nécessaire d'en parler. Par contre, on va peut-être commencer à faire des petites affaires, non ? Est-ce qu'on a déjà des... Est-ce qu'on a eu des retours, là, dans les offres de transfert pour Pelé ? Ah, voilà, voilà ce qu'on veut. Caio, non, Caio, moi je vends pas Caio, hein, je suis désolé, je veux bien accepter plein de trucs, mais allez, j'accepte, vas-y, j'ai la flemme de négocier, surtout pour lui. On fait une offre plus qu'honnête pour la qualité du joueur. Ça fera un peu de place niveau salaire aussi. Ça fera un peu de place niveau masse salariale. Alors, est-ce qu'on a suggestion au poste ? Bah oui, évidemment qu'on va mettre Wissam, c'est quoi, il se fout la gueule. J'ai pensé à Marcos Antonio du Shakhtar, rapide, performant, très prometteur. Marcos Antonio. Vas-y, je vais regarder un peu si dans l'accueil de transfert, est-ce qu'il y a des mecs qu'on connaît déjà la cote, le prix, je veux dire. Mec, on pourrait peut-être déjà commencer à acheter des mecs au lieu d'attendre. Ah non, on n'a pas l'heure, on a aucune stat. Ok. Ah si, Ginter, ouais, on a Ginter, mais on sait que Ginter, il coûte cher, quoi. Tu m'as dit quoi, Marcos Antonio ? Vas-y, on va regarder Marcos Antonio. Chargé joueur. Antonio. Ouais. Il est où lui? Ah oui non. Ah si, c'est bon. Marcos Antonio, c'est lui là. Vas-y. On rajoute. Bon, prochain match les amis, prochain match c'est contre... Je sais pas contre qui c'est d'ailleurs. Quelle est cette troisième équipe? C'est les Wolves. Wolverhampton. On garde la même compo du coup. Ça a plutôt bien réussi. Puis là je me dis ça peut être pas mal, tu vois. Alors, on va tester des trucs là. On va commencer à tester des trucs. Voland il a plus de Voland, il commence à être chaud. On peut tester limite ça, tu vois. Ça. Chouameni, Golovin, ça peut être pas mal, non? Ou alors Golovin à la place de Voland. Voland il a pas fait un match pas dégueu aussi. Hein. On va le mettre en remplaçant. Maripane. La frangipane. Let's go. Il y a Diop aussi. Ouais, c'est vrai que l'équipe qui fait moins flipper quand même. Désolé les mecs, Aguilar ça dégage. Boisdu, je pense qu'il va finir ailier ou sur le banc, je sais pas encore. Jacobs, on peut peut-être foutre un petit Diop là. Ouais, Diop là c'est bien. J'aime bien Diop là moi. Sidibé. La frangipane. Et puis bah Gelson, hein, malgré tout. C'est Juju qui va être heureux, je pense. Diata, on va le mettre quand même. Il est pas complètement cramasse, on peut le mettre. Boadu, comme ça on a Boadu qu'on peut faire rentrer. Diata qu'on peut faire rentrer. Aguilar quand même. Enfin Aguilar à la place de qui? Non, on va pas mettre Aguilar. On va se comme ça. Je suis Amenigolo au milieu dans le 4-4-1, franchement moi je valide dans le 4-3, par contre vaut mieux le mettre en mock. Vraiment? Tu vas être Chouameni en milieu offensif? T'es sûr de ça hein? T'as vu sa vitesse mec? Et du coup en plus on passe avec Golovin en... Tu mets Golovin du coup en piston gauche? Ok, je vous fais confiance les mecs hein. Ça roule. Non Golo. Bah ouais mais du coup je mets qui? Je mets Matazzo. Vous avez vu c'est pas son poste en plus hein. Puis on perd de la taille en récup surtout hein. Non Golo. Golo en moque. Bah moi ça garde ça comme ça. Okay. On teste comme ça et si ça va pas on change. Chouameni en moque, c'est quand même une drôle d'idée, Juju. Hein. Ah ouais, moi j'aurais mis Golo en moque aussi. Hein. On va commencer comme ça pour faire place à Juju, mais je le sens pas oufissime. Hein. Après, peut-être qu'il va mettre un triplé, je sais pas. Mais moi, ce qui me fait mal surtout, c'est de perdre à la récup Chouameni, quoi. C'est surtout ça, parce que j'ai peur de pas gagner un moque exceptionnel et de perdre un milieu défensif exceptionnel. Je le fais sur foot. Après c'est pas foot là, je sais pas si c'est le même fonctionnement et tout. Là tu vois qu'en plus il est j'ai pas mis du son là-dessus moi. Tu vois qu'il est en perdition là. Allez, on va le tester.
On va le tester, on verra bien. Ouais, du coup, oubliez pas votre petit prono. Hein. Donc là, on joue Wolverhampton. Troisième match de cette coupe. Potentiellement qualificative, qui fera un peu de thunes et qui ça fera pas du mal. Je veux bien la place de Griezmann en EDF aussi. Ouais, j'avoue. Ah, quoi que des fois, il est peut-être. Je refais pas. MC, Golo et Chouamini dans le 4-4-1. Hallo und willkommen. Wir melden uns heute aus dem legendären. Ouais, moi, c'est ce que je. Ouais, sur le 4-3-3, je pense que je vais faire ça aussi, Monégou. Je vais tester juste pour voir sur les conseils avisés de Juju le Chouamini en mock. Et après, je pense que je vais passer avec Chouamini, comme tu dis, ouais, sur le 4-3-3. Plus sur le 4-3-3. Allez. Drittes Spiel in diesem Vorbereitungsturnier. Bisher kann sich das hier alles sehen lassen. Es ist ein Allez, ça part de là. Victoire 4-2. Ok. Les mecs sont chauds. Ils freuen sich, dass sie diese Akteure hier live erleben dürfen. Es ist natürlich etwas. Oh, cette frappe enroulée. Dégueulasse. Diese Turniere vor der Saison mit den großen Namen, mit den großen Stars. Scandale. On a Wissam devant. Ça change quand même un peu. Alors, tu me diras, oh, Wissam n'a pas marqué au premier match. Hein. Et on a loupé une belle. Allez. Viel Vorwärtsdrang jetzt. Ouais, j'aurais dû faire la passe. Là. J'ai fait trop perso. Trop perso comme dado. La frappe dévissée. Ouais, elle est bien dévissée. Hein, t'as vu ça? Attends, elle était enroulée pourtant. Hein. Elle était enroulée, mais enroulée de fin de soirée. Quoi. Enroulée libre. Elle était plutôt enroulée. Merde. Tes conneries, toi. Non, oh, l'absence de. Oh putain. Ouais, franchement, je le sens déjà pas, Chouameni à ce poste-là, Juju. Hein. Franchement, frappe avec Chouameni, ouais, mais il faut des possibilités de frappe aussi. Et moi, il me manque un mec derrière, là, du coup. Hein. J'ai l'impression que ma défense, elle est toute nue, j'ai l'impression. Je me sens nu. Comme Nubel. C'était pas drôle, ça. Hors-jeu. Sérieux? La conf. Klasse, wie er das macht. Holt sich den Ball. C'est dur là, hein. C'est dur. Voland est où? Voland est sur le banc. Là. Oh, ça, c'était beau ça. Oh, Maripane nous a fait un petit café crème là. Ah, il va pas assez vite, Chouameni. Il perfore pas assez, je trouve. Du coup. Pas assez de vitesse devant. Je manque de vitesse là, du coup, devant. J'ai besoin d'avoir des mecs qui percutent un peu. Daniel, je trouve que ça manque de vitesse, quoi. Tendonka. Borja Iglesias. Oh là là, le mec, il s'est pris pour Ronaldinho, quoi. Allez, c'est bien de le sortir le jeu. Ah, il est trop lent, ouais, j'avoue, il est trop lent, Chouameni devant. Franchement, j'arrive pas. Parce que là, je veux bien frapper avec, mais j'arrive même pas à mettre en position de frappe, du coup. Ouais, ça sent. Allez, on va tester la mi-temps, on va laisser la mi-temps. Oh non, j'ai fait de la merde. Oh, j'ai fait de la merde, c'est un scandale. Oh, c'est dégueulasse. Oh, il a très bien joué. Il a très très bien joué. Je vais passer. Désolé, je passe Chouameni au milieu. J'arrive pas. Je me sens vraiment. En plus, Golo a tendance à monter sur le terrain assez haut, du coup. Ouais, c'est ça. Ouais, il est pas assez percutant, Chouameni. Ça. J'ai besoin d'avoir une tour de contrôle derrière et là j'ai pas de tour de contrôle. J'ai Golo qui est perdu. Je suis pas un grand fan déjà de Golo en tant que mock, mais alors en milieu central, encore moins quoi. Et ils sont bien groupés derrière. Ouais, c'est fait. Voilà. Pas beaucoup d'espace. Hein. Allez, Chouameni, on va le tenter la frappe. Allez, belle. Faut reconnaître qu'il envoie du lourd. Mais tu vois, même position dans MC, il frappe quand même. Hein. Pas besoin de le mettre en 10. Hein. Il a fait sa première frappe en étant plus en 10, justement. Non, c'est vrai que j'ai pas l'habitude de jouer avec lui. C'est vrai que pour le coup, bah en fait, j'ai l'habitude de jouer avec personne, hein, pour être honnête. J'ai pas l'habitude de jouer avec Monaco. Je peux pas vous mentir.
Kurze Ecke. Oh, le contrôle est dégueulasse, quoi. La limite, ouais, il récupérera des ballons sur des carrières, un truc comme ça, j'aurais peut-être plus de chances de mettre des frappes, ouais. Que là, en MOC, il me ralentissait un peu toutes mes actions, quoi. Puis juste, ça fait plaisir de l'avoir là, tu vois. Genre là, maintenant, ça fait plaisir de l'avoir, tu vois. Daniel Podence. Genre pour ça, tu vois. Bon, il a mis un petit taquet, voilà. Là, tu vois, là je suis content d'avoir Tchouaméni, tu vois. Elle court, toi. Rapide que ça. Voilà, là, tu vois, là, il y a du Tchouaméni, là. Là, ça fait plaisir. C'était même pas le bon. Le mec, il s'emballe tout seul. Ouais, par contre, ils sont compacts à fond derrière, c'est l'enfer. Ils sont compacts, c'est genre... c'est un mur, le truc, quoi. Ils sont tous regroupés derrière, les mecs. C'est pas possible, c'est quoi cette équipe, là ? Ils sont joués Sedan ou Nantes, je sais pas quoi. Ah, vas-y. Ouais, fais-le tomber, toi, qu'on rigole. Wissam Ben Yedda. Jetzt eine Chance. Oui, Wissam. Ah, celle-là. Ça, c'est une Wissam, ça. Le Golazo. Ça, c'est une Wissam. Eh, hey, Tchouaméni est là, voilà. Là, il est là. Là, il est là. Elle est belle, celle-là. La bonne minace, hein. Là, il s'est retourné. Frappe enchaînée direct. Le gardien la touche, je pense, un peu. Il peut rien faire. Il peut rien faire. Ça part de là, hein. Allez. Ah là là, et Golovin, par contre, c'est nulovin, hein. Adama. Schöner Vorstoß, das könnte durchaus gefährlich werden. Oh là là, il m'a fumé. Oh, Neubel! Oh! C'est moi où j'ai vu Gelson shove. Ah, c'était pas Gelson, je pense. Ah, Neubel, il en sort une belle, là. Après, il frappe fort sur lui, quand même. Merci, Juju. Merci. Oh, par contre, ça pue. Non, oh non! Oh, la chatte qu'il a eue! Schauen wir ihm ins Gesicht, ja, der kann es nicht glauben. Kein Tor in dieser Szene. Wow, und plus proche du 3-1-2, là, je vais pas vous mentir. C'est complicado. C'est complicado, on n'arrive pas à dégager ce ballon de merde là depuis tout à l'heure. C'est genre chiant, quoi. Allez. Allez, Sofiane. Allez, cours un peu là. Défoule-toi. Allez, vas-y. Va choper un corner, de toute façon, t'as plus le temps. Jetzt können Sie den Ball reinbringen. Allez, Sofia. Allez, le corner. Voilà. Bon, il n'y a plus de temps, là, donc faut y aller. Allez. Une tête là possible, non, pour moi, de mettre un truc, là. Voilà. Ok, bon. Début de mi-temps, début de match compliqué. Après, on est bien revenu. On n'a pas été exceptionnel non plus. Hein. Sofiane Novak, ça ferait le taf aussi. Ouais. Voilà, pourquoi. Alors, du coup, on peut faire. Ah, c'est pas con ça, Monégou. C'est pas con du tout. Et on va mettre qui du coup. On claquerait pas Boadou en ailier. En vrai. Boadou en ailier. Tu sais, à la place de Golo du coup. Ou alors on laisse Golo en ailier. Ou Diata. Ouais, Diata. Ouais, Diata, il est un peu cramasse là aussi. Donc, limite, je préfère. Boadou, il va vite, j'imagine, non. Ouais, il va vite. Vas-y, je tente. Allez, je la tente. On se la tente. On fait les fous, on fait une dinguerie. Diop en moque, Boadou. Je vais aller, les gars. Bonne continuation d'Agmoné. Salut, Booba. C'était un plaisir de t'avoir avec nous. Désolé encore pour les petits lags de début de stream. Mais c'était bien cool. Merci à toi et à très vite, n'oublie pas de nous suivre. Allez, c'est reparti. Donc, c'est reparti avec Diop en 10 et Boadou en ailier. En ailier gauche. En plus, on va jouer de son côté là, du coup, niveau caméra. Oh là 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 là. Mais c'est qui ce mec là? Qu'est cette machine? Ah, c'est Adama Traoré ça? Oh là là là. Oh, il m'a fumé. Ah, il m'a fumé.
Oh, il m'a fumé le mec. Ah, mais ça te dégoûte ça. D'abord, trop vrai qu'il est devenu un fantôme d'ailleurs. C'est quand le prochain live? Le prochain live, c'est dimanche. On commente Montpellier-Monaco en direct. Donc, si tu veux, si tu veux écouter le match avec nous, limite, tu mets sur ta télé le match et puis nous, on papote quoi. 17h, ouais, 16h45 du coup, Bouba. On est là un peu avant. Je sais pas, ça sera avec Juju. Moi je serai là, c'est sûr. Et peut-être avec Juju, je sais pas. Ça sera bon. Juju ou peut-être Romain, peut-être Alex, je sais pas. Mais en tout cas, on sera là 16h45, pardon. Non, je regardais plus le jeu du coup. Mec, il cherche des excuses. Dama Traoré, j'ai envie de l'acheter du coup. Ça peut être une bonne affaire, vous pensez, les gars, ou pas? Là, il me fout droit. Hein. Tu peux retrouver le planning sur le Discord. Ouais, le planning est sur le Discord. Il est aussi dans le... Je crois qu'il est à jour sur Twitch aussi. Mais les gars, c'est nul ça. Allez, allez là. Comment ça faire chier là. T'es court toi. Allez. Calage. Elle est belle. Elle est belle. Oh non, Sidibé. Sidibé. Kenny Lala pour la rota en défense, ça serait bien malgré son âge. Ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, mec, pourquoi pas. Ça peut se tente. Raúl Jiménez. Qu'est-ce qu'il me fait, lui? Mais comment... J'ai moins galéré avec l'équipe C qu'avec l'équipe type. Il y a un truc qui m'échappe, quand même. Après, j'ai l'impression que les équipes sont meilleures. En gros, j'avais l'air vraiment dégueulasse. Et puis Adama Traoré, il était trop mal. Je devrais être là dimanche avec toi, Antoine, pour commenter le match. Ok. Cool, mon Juju. Adama Traoré, il a... C'est quoi sa valeur sur FIFA, vous savez ou pas? Parce que moi, je peux être chaud, là, hein, sur un mec comme ça. C'est bien... Ouais, je me fais piner. Ouais. Ah, ça sent la... On va tenter des trucs, tant pis, c'est pas grave. On va tenter des trucs. On va faire tourner. On va faire tourner. C'est la débandada. C'est la débandada, mais il va falloir que je revoie des trucs dans le système de jeu quand même, c'est un peu le bordel. 30 millions, ah ouais, 30 millions, ça va être chaud. Hein. On va pas se mentir. Matadzo, Fofana, vas-y. Boadou, on va te mettre en attaque là, tiens, on va te faire rentrer Diata. Voland, on le fera rentrer après, tiens. Merci Monegou. Bon c'est pas le match hein. C'est pas le match, en même temps je passe plus de temps à regarder le chat qu'à regarder l'écran. Et puis en vrai il joue bien et Adama Traoré me fume sur son côté, c'est horrible. Je peux rien faire, quand il accélère je regarde passer le train quoi. Puis j'ai pas le ballon juste hein, aussi. Problème. Ah, et puis les contrôles sont éclatés quoi. Diop Ok. Ok. Bon, jusqu'à 4 ans. Adama ? Ah, si vous 18 millions, j'achète direct, hein, par contre. Parce que là, j'ai besoin de... Pour faire tourner, pour remplacer Gelson, ça peut être pas mal. Pour remplacer Gelson, ça peut être très très bien, ça, comme option. Bon, avec un mec qui, en plus, est relativement OP, OP assez vite, je veux dire. Oh non, Diop, putain. Ah oh, merde. Le 4-1 qui fait mal, hein. 4-1 qui pique, les matchs de prépa sont pas incroyables, hein. On peut se mentir. Je pense qu'il va y avoir un peu de taf. Moi, je suis quand même assez chaud à pousser davantage sur les ailes. Hein. J'ai envie de faire des trucs plus... Oh, mais c'est quoi cette passe? Jetzt wird Zeit für eine Flanke. Super gemacht, gute Verteidigung. Oh la faute. Oh la faute, elle est horrible. Ouais, là j'ai frappé comme un bourrin. Ouais, voilà, j'avoue, j'ai frappé comme un gourou, je suis désolé. Adama, 18 millions, ça se vaut. Ah, faut ça à voir comment les négos se déroulent. Ouais, mais 18 millions, ça vaut grave le coup, je trouve. Hein. Pour un bon ailier un peu confirmé qui a une petite marge de progression et qui va très vite surtout. Parce qu'en vrai, ok, il a 78 de gêne, mais en vitesse, j'ai hâte de voir combien il a parce que là, vu ce qu'il m'a mis. En fait, c'est Marie Pan en face, hein, c'est pas non plus Gonzalez.
spielt den Ball. Da versuchen sie es mit dem Doppelpass. Okay, flip, flap, flop. Mec, c'est le Barça. Le Barça de Wolverhampton, vous connaissez pas? Il est là, devant vous. Voilà. Je vois même pas le ballon, je vois plus rien. Ouais, là c'est... Là ça va être compliqué là. Moi je le vends vraiment à Monaco Traoré. Ah tu le vois vraiment peut-être à Monaco Traoré. Oui 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 carrément. Oui, il faut largement le faire. Bon là je suis un peu en roue libre, je peux vous lâcher que... Je le veux depuis 2 ans 3 ans. C'est bien qu'on fasse un truc quand même, genre mettre un but ou... Bon, ouais, nous, t'as pas vu, hein. Ah, Miron, va. Miron, tu sais pas, là, décaler un peu ta frappe plutôt que frapper sur le gardien quand c'est comme ça. Semedo. Ah, ils ont pas d'équipe dégueu, en vrai, quand même. Ah, mais c'est la diaspora portugaise, je crois. Wolverhampton, c'est vrai. Mais il y a Moutinho qui a besoin, d'ailleurs. Hein. On a pas vu jouer à haut, tiens. Netto. Ah oui, il n'y a que des Portugais, d'accord. Ils sont en train de fumer violemment. Ce serait bien que Boadou tu fasses des courses en profondeur. Ou ça te démarque. Chouameni, c'est fait agression contre Chouameni. Il n'y a pas vu le truc arriver. Frangipane, il est là pour arrêter l'action. Und da kommt die offizielle Nachspielzeit. Hey Kevin. 2 Minuten sind's noch. Da ist er alleine durch. Bon, sauver l'honneur. Sauver l'honneur. Kein echtes Aufbäumen mehr. An der Niederlage ändert sich nichts. Elvedi, on va voir quel prix. Hein. Alors, on va voir c'est quoi le but pour Elvedi. Bah, l'avantage, c'est qu'on est éliminé, donc au moins on va gagner un peu de. On va pas gagner beaucoup de thunes, mais on va surtout gagner du temps pour avancer sur les transferts. Parce que là, il y a grave du taf. Hein. Après, je vais faire un match ou deux en Ligue 1, puis on va arrêter pour ce soir. Gedson Fernandez aussi en milieu, ça serait intéressant, prometteur. Ouais, après, les mecs, faut savoir qu'on a pas un gros budget. Hein. Pas un budget du tout, même d'ailleurs. Hein. Il faut essayer de vraiment trouver les petites pépites. Et en même temps, il me faut quand même un ou deux mecs confirmés. Parce que si je joue avec ça toute la saison, ça va être dur. Hein. Puis il faut du challenge. Donc on va laisser en légende, tu vois. Même si c'est un peu dur. Il est pas cher, je crois. Ok, je vais regarder. Suite. La dotation compétition. On a gagné un peu de thunes quand même. 1 million. Pff, ouais, super. Du coup. Oui, Gedson. Gedson Fernandez. Si tu tapes Gedson, ça marche du coup. Il est là. Est-ce qu'il a. On voit pas sa valeur. Putain, que les transferts. Par contre, ce serait bien que le mec se bouge un peu le cul là. Oui, et du coup, Adama. Adama Traoré. Ah. Mais non, c'est pas Adama. Attends. Je suis en train de bugger ou. Adama, c'est celui qui était chez nous. Ou alors c'est. Attends. Ah, c'est celui qui était chez nous, il s'appelait aussi Adama, j'avais bugué, j'étais en train de bugger. Et lui, on n'a pas son prix non plus. Ah, putain, chier. Hein. Est-ce que je négo à l'aveugle comme ça, vous pensez ou pas? Bon, franchement, tout dépend de ton système final, le 4-3 demandera plus de joueurs à prendre, je pense. Ouais. Bah ouais, mais bon, autant jouer... Moi, je t'avouerai que je suis plus joueur sur les ailes, débordement, tout ça, que dribbleur. Vous allez voir, je dribble jamais, moi. Je suis pas à faire des flip-flaps, des trucs... bon, après là ça va commencer en mode sérieux. Donc là il va plus être question de. Tu négo à 18 millions à l'aveugle. Ok, on va tester ça. Alors, j'en mets mon rapport. Et un rapport final comme Gingli. Off d'Aoulou. Oh là là, attention, Aoulou en vente. Allez, on accepte. J'ai pas le temps de commencer à négocier pour surtout pour 200 000 euros quoi. Kangingli, ça donne quoi? On achète ou pas Kangingli? 9 millions. Oh putain. Gavi, 5 millions. Tu peux voir le coup, hein, Gavi. Même sur le chat. Gavi, on prend ou pas? Pour faire tourner, on vend Jean-Lucas et on rachète Gavi à la place. En rotation, après derrière Matadzo, Fofana, Chouameni, vous en pensez quoi? Enfin, il joue peut-être un petit peu. Ouais, largement, on le prend. Allez, on prend, on achète. Allez. Je peux pas l'acheter, ok. Acheter avec les transferts. Ah si, je suis con. Kangingli va être un peu rush par contre, je pense. Alors, on va négocier à l'aveugle à
Adama. Et on va d'abord commencer par Gavi. Et après. Mais vendre Volante, pas Boadou. Non, Boadou, on va pas le vendre quand même parce que. Il va nous servir, je pense. Hein. Puis il est quand même rapide, tu vois. C'est quand même. Ça fera un peu chier de le vendre. Il est où, lui? Hop, allez, viens, gamin. Touché pour achat. 15 millions! Non, c'est mort. Lee, après, il est polyvalent, c'est l'avantage avec lui. Ah, après, si on prend Lee, on prend pas Traoré, du coup. Hein. Je pense. Là, on peut toujours prendre le. Ah, il a une tête horrible, Philippe Clément. Je vais changer après. Il est trop moche. Il est trop chum. Je mets combien, là, les gars? Volant des bons sur les têtes. Je mets quoi? 8? Il y a une clause de libération à 15 millions. Ouais, Volant, on va le garder la première saison, au moins, je pense. Au moins une saison, peut-être. Faut vraiment vendre les pas bons, quoi. Mais quoi, 8 millions? Non, attends, on a un budget tellement éclaté que je peux pas faire trop le fou. Hein. Ouais, je vais prendre. J'ai peur de le vexer, tu sais, que le mec il se barre. En mode salut. On pointe Adama à gauche et Diata à droite, ça fait un beau triangle titulaire. Ouais, ça tient la route. Hein. Allez, on va partir sur 8 millions, on verra bien, tant pis. Hein. Parce que je peux pas, j'ai pas non plus claqué des sommes. Isidore à vendre, ouais, Isidore à vendre aussi. Ouais. Ah, ouh, la bonne affaire. 8 millions, Gavi, c'est propre, non? J'aurais peut-être même pu proposer moins, du coup, mais c'est bien. Allez, il peut jouer... ah ouais, bien. Il peut jouer attaquant droit, attaquant gauche, en plus. Polyvalent, voilà, première recrue. Première recrue du Munigu FC. Hein? Ah oui, j'ai perdu. Hein. J'ai perdu lourdement. Il y a beaucoup de concurrence. Durée du contrat 5 ans. Très bien. Accepté. Contrat 5 ans. C'est très très bien. Accepté. Voilà, très bien. Salaire 6000. Ouais, si tu veux, vas-y, mon grand, pas de soucis. Je vais pas commencer à faire mon rapace avec toi. Diop en moque. Et ensuite, on voit les postes à doubler. Isidore à vendre. Mehmet. Ouais, mais il est. Je l'ai pas encore. Je l'ai pris, Juju, mais il est pas encore. J'ai pas encore eu le retour de rapport sur lui. Il est là, regarde. Il est là. J'ai pas le retour sur lui. Ouais. On fait quoi du coup? On prend Lee ou pas? Il est où, lui? Il est où, Stom? Lee, ça va être un budget un peu plus costaud. Hein. Après, il peut jouer vraiment sur pas mal de. Il peut bien dépanner quand même. Hein. Il peut bien dépanner, hein. Faudrait qu'on vende Jean-Lucas maintenant pour... on a plus besoin maintenant qu'on a le petit Gavi. Après, budget salaire aussi, il nous rajoute quelques millions. Alors, on va avancer un peu, on va voir si on... Il y a peut-être des mecs qui vont être vendus aussi. Faut que je m'occupe après du plan de développement. Ça, je le ferai peut-être pas en live, c'est un peu chiant. On peut faire des échanges de joueurs pour diminuer le budget. Oui, c'est pas faux. Alors, oulala, attention, là, il y a du monde, hein. Peu les vendus, offre de transfert pour Raoulou, notre offre de transfert pour Raoulou, ok. Mais j'ai déjà accepté un truc pour lui, non? 6 millions. Non, je vais attendre qu'il se barre de l'autre côté. Là. Nico Elvedi, alors Elvedi, on va voir. 78. 24 ans, 78, t'es sûr que c'est une pépite ou c'est un pépito Tu fais un échange Lee, Jean-Lucas, avec 2-3 millions dessus, là tu peux prendre Adama derrière. Allez, vas-y, on va partir là-dessus déjà. Attends, je vais regarder un peu ce qu'il y a. 2-4 lars. 16 millions. À la limite, on fait un échange. Ouais, non, j'ai une idée, mais c'est un peu con. Gonzalo Ramos. Ouais, mais les mecs, il faudra aussi des mecs confirmés. Hein. Là, c'est que des Pinteros. Hein. Je veux bien, hein, mes maîtres canadiens, mais. 66, putain. Tout est un énorme potentiel. Bah, vas-y, on va s'acheter, de toute façon, il coûte pas cher. Ok. Je vais te faire confiance. À la limite, on va essayer de l'échanger contre un mec. Et du coup on a eu quoi d'autre? Samuel Gigot, il est là à 78. Ouais, c'est tombé Samuel Gigot. Allez, l'échange Lee Jean-Lucas, c'est pas con ça comme idée. Je vais tenter ça. Allez, hop. On y voit un peu plus clair déjà là. Lee, j'aime bien le profil. Approcher pour achat. Non. On peut pas faire ça. Et après, on prend Adama. Allez. Proposer transfert. Non, merde, je suis con. Échange de joueurs. Milieu, du coup.
Il est où, Jean-Lucas? 6 millions, très bien. Proposer transfert, du coup, faut quand même mettre un peu de thunes, je pense. 6 millions, et lui, je crois, on lui met genre 3 millions. 2-3 millions dessus, alors on va mettre 3 millions, on est sympa. Je vais mettre off, j'espère qu'il va pas nous envoyer chier. Donc on s'entend à changer ligue contre 9 millions, c'est notre dernier prix. Ah ouais, ok. En fait, il s'en balèque, quoi. Il s'en balèque. C'est-à-dire que le plan n'a pas du tout fonctionné, quoi. Le plan n'a pas du tout fonctionné. On est tombé dans un traquenard, les amis. On veut faire des échanges de joueurs. Ouais, mais encore faut-il qu'il veuille notre joueur. Hein. Parce que là, en gros, il me propose le même prix, mais... Ça fait chier, hein. Ça fait chier. Ah, ça me fait chier de péter mon budget pour un mec 74, quoi. Ouais, je vais pas le prendre. Je vais pas le prendre. On va focus sur Adama. On va focus sur Adama. J'ai vraiment besoin d'un joueur comme lui, pour le coup. On va tester Adama. Je vais faire une offre à 15 millions. Là, c'est un peu abusé, je trouve, 15 millions pour lui, mais bon. On va tester. Ouais, il avait dit, on va tester. Hein. Et ouais, le traquenard n'a pas fonctionné, l'ami. Proposer de transfert, vas-y, on va claquer des gros bifetons sur la table. Hein. J'ai un peu peur de leur réponse. Hein. On va claquer. Allez, 16 millions. On va tester 16 millions. Ouais, putain, mais 6 millions, on pète tout le budget de transfert, les amis. Et nous voulons pas d'Achille. Les chiens. Ah, les chiens. Alors là. Bah là, non, hein. Désolé, mec, mais non. Ou alors, propose un autre joueur à échanger. Et là, je te file Jean-Lucas, par exemple. Mais te filer Badia, comment te dire, ça va être compliqué, quoi. Voilà, plutôt Jean-Lucas. Contre Jean-Lucas, 10 millions, 10% à la revente. Eh, ça, c'est pas vilain, ça, à la limite, hein. Eh, on part là-dessus, allez, hop. Oh, 10% à la revente, de toute façon, je pense. Ouais. Ça se voit, c'est pas mal, là, hein. Ouf, c'est pas mal, hein. 10 millions, du coup, on paye que 10 millions. Pour Traoré, on perd Jean-Lucas, mais on s'en fout, on a un remplaçant. En vrai, je pense que ça va, hein. On aurait pu plus mal tomber. Oh, il est sorti les trucs et tout, hein. C'est la fête, ici. Allez, hop. Le problème, c'est que je connais pas du tout son salaire. Vous connaissez son salaire ou pas? Je propose quoi en salaire au mec? Important? Oui, bah oui, tu seras titulaire, t'inquiète pas. La durée de son contrat? Non, je sais pas, 4 ans. Je sais pas, des fois ils font chier pour les conneries. Pas de clause de libération. 90 000! Wow, putain, c'est du joss, hein. Ok, ah bah il propose 53 000. Ah bah ça va, il est raisonnable, le mec, là. Allez, vas-y, j'accepte avec tes primes et tout, je vais pas commencer à négocier, je sais pas. Si mon égo me dit que c'est 90 000 en plus, voilà, faire cool, hein. LVD, allez, hop. Par contre, entre 23 et 33 millions, hein, les gars. Avec moi, c'était 90. Tu vois, moi, j'ai mes entrées chez FIFA. Approcher pour achat. Ouais, on va la tenter, mais vous avez vu le prix du mec? Après celui-là, on n'achète plus rien. Enfin, faut qu'on vende, quoi. Sinon... Là déjà on a Gavi et Adama Traoré qui sont arrivés. Pas dégueu. Pas dégueu. Petit mercato qui commence bien, je pense. Alors, échange de joueurs. On peut échanger contre qui, lui? Ah mais si, je sais. Je sais. Rubeninho. Proposer transfert et du coup on va mettre... je sais pas combien je vais mettre, mais... 100% ça va pas lui plaire. Hein. On va mettre all-in, hein. Dissasi, bah ouais, mais Dissasi, ouais, pourquoi pas, t'as raison. Je sais pas combien il vaut, est-ce qu'il vaut plus ou pas, tiens. Arrière centraux, ouais, t'as raison, peut-être Dissasi, vas-y. 9 millions, bah c'est pareil, hein. Ils ont la même valeur. Hein. On va tenter Dissasi. Et Dissasi est plus jeune, hein. Proposer nouveau montant. On reste là-dessus, du coup. Oh putain. Si c'est votre idée de sa valeur, nous n'avons plus rien à dire. Ah, le bash est total. Putain, j'ai mis all-in sur la thune qui nous restait. Oh le chien. Ah le rapace. Ah bah là du coup, c'est carrément, on peut plus négocier avec, quoi.
Diallo, je sais pas encore combien il vaut. Ginter, j'ai pas assez de thunes. Ginter, clairement, c'est même pas la peine. Faudrait que vous me trouviez d'autres défenseurs, les mecs, que je puisse. Sinon, on prend Gigot, hein. On va finir avec Gigot, hein. Ça va finir sur un Gigot des familles. Ah, moi, je veux bien le prendre, hein, si vous voulez. Je vais tester le Gigot. Hein. Je sais pas, il y a combien du coup, ouais, lui, ça reste cher pour ce que c'est, quoi. Gonzalo Ignacio. Le problème, c'est que j'aurais pas tout de suite, du coup. Bah, sinon, on va attendre un peu. Je vais rajouter Ignacio. Gonzalo Ignacio. Il est pas cher, ok. Wow, t'es sûr qu'il est pas cher, mec? T'as vu sa clause de libération? Après, c'est portugais. Il a combien? Je peux le tenter à combien? À la limite, je peux le tenter direct. Hein. Et c'est quoi? Il est quoi en gêne? En général, il a combien? Et je vais avancer un peu. Je ferai les plans de développement plus tard. Je ferai une petite co là-dessus. J'aimerais bien faire un dernier match au moins. Au moins un ou deux matchs. Pour finir. Commencer la saison, quoi. Pour du vrai. Alors, ça raconte quoi, là? Abdou Diallo. Abdou Diallo, ça peut être un bon plan, les mecs. Hein. Et 17 millions, hein. Ah, je suis pas... Non. Le mec a augmenté de prix. Merci, Sofifa. Ah. Aguilar. Une offre pour Aguilar du FC Porto, tiens. Bah, allez, let's go, hein. Par là-dessus. Négocier. On a de la thune, un peu, là. Ah, Abdou Diallo, on prend. Ouais, moi, j'aime bien l'idée, moi. Proposer nouveau montant. Ouais. Oh, tu vas me donner un peu plus de thunes, toi, s'il te plaît. 14 millions, ça me paraît pas mal. Allez. Et ben voilà! De l'argent! Monnaie. Quoi qu'on... On pourra peut-être prendre Ginter, hein. De quoi? En vendant les joueurs, tu vends tes joueurs et ça te fait encaisser un peu de pognon. En vendant les transferts. Alors, il est pas cher. Il est pas cher. C'est... Non, quand tu gagnes des titres, tu peux gagner de la thune en fin de saison. Abdou à gauche de défense centrale, à côté de Maripane, ça va être bon. Bah, je pense aussi, hein. Je pense aussi. On part là-dessus. Ça nous laisse un peu de thune parce qu'après, on pourrait prendre Ginter, mais le problème, c'est que c'est le genre de joueur qui va nous bouffer toute notre thune, quoi. Mais tout notre pognon, quoi. Accueil transfert. C'est quoi ça? Tout poste prometteur. Il y a des mecs un peu là, un peu sympas ou pas, tu crois? On en connaissait là-dedans? 16 ans. Ouais, je fais comme ça. Je connais pas. Ah, c'est Brahimi ça. Quand Ingli, bah il est là, tu sais. Je regarde un peu ce qu'il y a vite fait. Mais... Inter en fin de première saison, ok. On testera ça. Du coup, je faisais quoi déjà? Diallo, allez. Moi j'aime bien Diallo, j'aime bien. J'aime bien le délire, je trouve que c'est pas mal. On propose entre 22 et 33 millions. Putain, il est cher quand même. Alors, ça tente. Ah, je crois que j'ai fait une boulette. Je crois que j'ai fait le con. On n'a pas encore reçu la thune d'Aguilar, mais je suis con. Ah, merde. Alors, on va proposer un échange. Ouais, 8 millions, c'est mort. Hein. On va faire un échange d'Isazi. Voilà. La passe dissasive, proposer transfert, hop. Je sais pas, on va mettre ça par exemple. Dissasi et 6 millions contre Diallo. 15 millions. Oh là là. Ouais, allez, vas-y, on va là-dessus. Pff, on va craquer le budget. Bon, après, on vend Aguilar, donc on va récupérer 10 millions pour acheter peut-être un jeune ou deux, genre le gardien. Là, au moins, on a une défense. Maripane Diallo en défense centrale, moi, ça me parle bien. Nikaté, tu devrais faire le test. C'est quoi ça? C'est le nom d'un joueur? C'est quoi, c'est un défenseur? Donc là, il faut des mecs. Là, j'ai plus de thunes. Hein. On est sur. Mounegoula et Ruinas. Hein. Il va falloir des mecs. Ou alors, sinon, si vous avez des noms de vieux. Ouais. Lâchez des subs pour qu'on puisse.
chercher des joueurs. Si vous avez... Oh, il va tout me bouffer le bâtard. Ouais. Franchement, faut bien le regarder, ça rajoute aussi masse de budget pour les transferts sans se rendre compte. Ouais, ouais, c'est clair. Bah, c'est pour ça que là, le fait de vendre aussi des mecs, c'est pas trop mal. C'est pas trop mal du tout. Au Pêche-Cou, il vaut quoi? Ah, il est bon, mais... Un peu. J'aime bien le profil du mec. Il va vite ou pas? Accélération, vitesse. J'aime bien son profil. Peut-être une petite pièce sur lui, tiens. Pas très cher en plus. Allez. Continuez. On avance. On va vendre normalement Ruben. On va prendre ça pour Badia Achille. C'est mort. Badia, on le garde pour le moment. Il vaudra plus de thunes plus tard. Juan Zebe de United en rota, c'est pas cher, ça se tente. Tu vas regarder Nika. Mais c'est un joueur ça? Non, j'ai pas regardé, je vais regarder. C'est quoi comme poste? C'est quel poste ça? Défenseur central. Bah là après défense centrale on va être bon hein. Peut-être pas s'acheter enfin tu me diras Nkate. Bah comment tu l'écris parce que il est pas, je le trouve pas là comme tu l'écris hein. Nkate comme ça peut-être. Bon, j'ai mal écrit. Non, c'est ça. Nkate. Kenny Lala, on va regarder Lala. La. La 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 la. La 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 la. Kenny. Ah, ce petit quelque chose en plus. On va voir. Hein. Ah, Nyakate. Ok. Allez, si tu n'y dis pas les bons noms, je peux pas les trouver. Hein. Moussa Nyakate. Il est là. 25 balais. C'est un niçois ça. Montée 9 ou la merde. Vas-y, je m'attends d'observation. Je vais l'observer ce jeune homme. Alors, est-ce qu'il y a eu des ventes? Est-ce qu'il y a eu des... Qu'est-ce qui s'est passé là? Faut qu'on vende là. Faut qu'on mette du flou dans les caisses là. Tariq Lemté. Ah. Ah oui, effectivement. Ah, lui j'aime bien lui. Hein. Lui j'aime bien. Hein. Pas trop cher, très rapide. Ah, c'est cool ça. Vite on peut le faire jouer allié. On pourra peut-être le faire jouer allié éventuellement. Allez. Enfin je change Roland de là parce que c'est fout la nausée par contre. Quand ZB est DC, il peut dépanner en DD, en rota franchement c'est nickel. Vas-y je vais regarder. Bon, faut attention pour Tchouameni, non. Lol. Never. Bon, après les mecs on va essayer d'avancer sur les matchs un peu. Axel, Twan ZB. Ah elles sont stylées hein. Musique de FIFA. Ah bah il est prêté les mecs de toute façon donc c'est dead pour Twan ZB. Il est prêté à Napoli du coup on peut pas l'avoir. Simplement. Alors, on va faire un peu la compo, tiens. On va faire une petite compo, là, actualisée. Alors, compo actualisée. Diallo, bah, Diallo, il a pris sa place. Il a compris. Il a compris où il devait jouer, c'est très bien. Maripan, il est là. Chouchou. Chouchou Mini. Il est là. Fofana, il va être là, ça va le faire. Diop, c'est pas mal. Yata à droite, Yata à gauche plutôt. Par contre, une attaque c'est pas très grande. Hein. C'est pas des géants. Dama Traoré, je suis assez fan. Hein. Commande pour les réseaux. Ah yes. Gavi est là, Gavi on l'a mis sur le banc quand même. Gavi on l'a mis sur le banc, Benedera en attitude. On va tenter du petit Gavi en. Sidibé. Anderson, il est chaud. Il est chaud, garçon. Il est plus rapide que Sidibé. Diallo, Maripane. C'est pas mal ça. Hein. Bientôt à droite plutôt. Ok.
Il commence à ressembler à un truc, hein. Puis en plus, t'as un banc qui est pas vilain, quoi. Boadou, Martins, Fabregas. Il y a Golo qui doit être quelque part, en plus, ici, là. Place de Magique. T'as un banc qui est pas vilain, hein. Regarde Matadzo. Matadzo à la place de Fabregas. Hop. Petit banc sympa, hein. Vas-y, on continue. Sauvegarder. Je vais emporter la compo, oui. Et Adama à gauche, yes, c'est ce que j'ai failli. Rapport final. Aguilar vendu, très bien. Hors de transfert pour Sidibé. Ouais, mais ça fait chier de perdre Sidibé. Ah, quoique, ça dépend si on prend. Si Sidibé. On vend ou pas? Si, on vend Sidibé quand même, non? Ça fait un peu de maille, quoi. Getson. Ouais, mais Getson, milieu de terrain, on a plus forcément besoin. Tu vas gagner 4-1. Getson, hey, j'aime bien le profil. Hein. Marcos Antonio, j'aime bien aussi. Pas très cher en plus. Pas très grand non plus. On peut le tenter lui. Hein. Il a un énorme potentiel. J'aime bien le profil Marcos Antonio. Ouais. Il a l'air de faire assez mal. Du coup, on a un peu de pognon ou pas? Et là, j'avais affiché la 75,4 millions. Pour le rota, en plus, le mec a de la vitesse, franchement, c'est pas mal. Ok, bon, dans ce cas-là, on part sur Kenny Lala, en rota. Dans ce cas-là, je vends Sidibé. Ouais, mais en fait, il est plus en rota si je vends Sidibé. Il est titulaire. C'est ça le problème. Moi, je serais d'avis de prendre un jeune, hein, en titulaire. Avec Vanderson, il me fait un peu flipper, mais tu vois, tu prends lui, là. Il était où, déjà, le petit de tout à l'heure, là? L'MT, là. Lui, il fait mal, hein. Il fait mal, il coûte le même prix que... Regarde sa vitesse, mec. Je le prends à chaque carrière. Vas-y, non. Moi, je vais faire le move. Vente Sidibé, achat de l'MT. Et comme ça, on a la thune aussi pour prendre Marcos Antonio. Marcos Antonio, il est où? Il est où, lui? Il est là. Cette équipe ne vendra pas. Ah non! Ah, ils ont cassé les couilles. Ah bah ok, on va laisser tomber. Je ne peux pas le prendre, tout simplement. Donc là, au moins le problème est réglé directement. En plus, lui, il peut jouer milieu droit, lui, mais il est trop bien le joueur. Bon, alors je garde Sidibé. On a qui là? Attends, on a quand même du monde en vrai, hein. Faudrait que je vende un peu plus. Faudrait qu'on vende un peu plus là. On vend Manon. Non, on vend pas Manon. Ça c'est pas rien. Pavlovic, ça va pas rentrer ça. Ça dégage pas. On va pas le vendre tout de suite, mais on verra ce qu'il donne. Mais... Ça part en prêt. Marcelin dans la rota, pourquoi pas. Vanderson, Aoulou, ça dégage. Aoulou, on l'a toujours pas vendu lui. Accroché par Fenerbahçe. Ouais, bah vas-y, mon grand part. Hein. Ouais, lui j'aimerais bien qu'il parte quand même. Hein. Et hop. De toute façon, tu vas pas jouer, tu vas nous coûter super cher. Kiyush, juste de près. Merde. Le maréchal, ça part en prêt. Sarez, Hollande, Isidore, ça part en prêt. Isidore, Sarez, je suis désolé. Puis en plus, le vendre en vrai, 2 millions, enfin, ça vaut pas le coup. Quoi. Salut Monégou, ciao. On va se faire un dernier petit match et puis on va. Parce que je vois que le joueur qui passe. En fait, c'est vrai que comme c'est le début, je pensais pas qu'on mettrait autant de temps avec la mise en place, tout ça. Bon, après, c'est normal. C'est le début, salut Monégou, merci à toi, big up, merci d'être passé, ça fait grave plaisir. On va s'acheter qui du coup? On va s'acheter qui? Ah, le petit poupée, je trouve que ça peut être pas vilain ça. C'est pas cher, voilà, je prends. Puis ça va être ma petite. Mon petit pari perso ça. Poupée, je trouve. Enfin, je sais pas qui me l'a donné, qui m'en a parlé tout à l'heure, mais j'aime bien le mec qui pourra dépanner sur les ailes, ça c'est plutôt cool, ça va servir. Proposer transfert, bon en plus il coûte pas très cher je pense. On va mettre 3 500 000, ah oui.
J'espère qu'il va pas m'envoyer chier. Qui veut lui? Jean-Yves Daoulou. Ok, si tu veux. Allez, Aoulou, ça dégage. En plus, c'est bien, ça fait gagner de la place en masse salariale. Puis surtout que lui, il va avoir un petit salaire. Tel quel... Ah oui, ça fait beaucoup de liens. Ouais. Ouais, ça fait un peu fat, ouais. J'avoue. Rotation. On va faire un petit match avec cette équipe. 8000 de salaire. Entre eux. Allez, hop. Bon, Juju, tu restes aussi en fin dernier match ou pas? Ou tu vas te coucher? Savoir si je continue ou pas. Si tu restes, je vais en faire un petit dernier. Sinon. C'est un check. D'ailleurs, n'oubliez pas de follow hein, si vous n'êtes pas follow. Allez-y. Gustavo Assuncao, actuellement prêté, ce joueur n'est pas disponible, merde. T'inquiète, je reste. Ok. Bon, on prend le gardien du coup ou pas? On a déjà Majeki en gardien remplaçant. Hein. Oh, je suis à David de laisser une chance à Majeki. Bah vas-y, si tu restes, Juju, je vais te faire plaisir. Je vais te faire plaisir, Juju, si tu restes. Si tu restes, on fait plaisir à Juju, c'est ton joueur, c'est le Juju FC. J'espère qu'on a assez de thunes, j'ai même pas regardé. Oh, si, j'en ai largement assez. Proposer transfert, il vaut pas grand chose. Allez, Juju FC, c'est pour toi. Fabregas, il veut quoi? Échange de joueur. Fabregas contre. Ouais, c'est un peu du vol quand même. Hein. Valeur actuelle. Pff, enfin, en même temps, Fabregas, il jouera pas. Et niveau salaire, on va gagner en fait. Vas-y, c'est bien. Allez hop. Comme ça, on se débarrasse d'un gros salaire, on en récupère un tout petit, on va gagner en masse salariale, ça va faire du bien. Surtout pour un mec qui va... Enfin, en gros, Fabregas, on va pas l'utiliser, quoi. Donc autant avoir un jeune qui serve un peu plus, quoi. Ouais, voilà, il va coûter que dalle. Salaire actuel, 1800, ça va être rien, quoi. Bah ouais, il sert à rien, en fait. C'est ça, le truc. Ah non, mais il a raison, Juju, c'est ça, c'est... Fabregas, il va jamais servir. Voilà, lui, il est là, ça c'est fait. Du coup, on a gagné en masse salariale. Je vais voir si on n'a pas une ou deux ventes après. Hein. Équipe, on va regarder un peu ce que ça raconte. On a des nouveaux là, du coup. Popescu, Aydin. On va les remonter un peu, tu vois, juste là. Ouais, voilà, ouais, l'équipe, elle commence à être pas mal avec 2-3 petites pépites, là, des petits pépitos. Vanderson, ouais, Vanderson, je sais pas trop si on va le foutre souvent par contre. Mais... Quel âge d'ailleurs, Vanderson, tiens. S'il y a plus que 20, ouais, il y a 20 tours. Et Popescu, il a 18. Ah, Popescu, les mecs. Hein. Il est droitier, lui. Ah, ça peut dépanne. Hein. Ça peut dépanne. Allez. On va recommencer un petit match, je pense. Ouais, c'est ça, ouais. Bah oui. Moi j'aime bien. Je sais pas comment vous jouez, moi j'aime bien faire des actions rentrantes avec les ailiers, rentrer dans l'axe. Du coup, pied inversé, c'est cool, ça permet de pouvoir frapper. Le maréchal. Rapport final, Gonzalo. Inacio. Ah ouais? C'est une technique. Hein. De quoi compliqué, tu veux dire le mode de jeu là sur carrière? Ouais, bah compliqué, non, après faut juste. Ça prend un peu de temps quoi, bien toi aussi. Quoi. Tu rajoutes des trucs après, des fonctionnalités en vrai qui servent un peu à rien. Quoi. Bon, on va essayer d'enlever du temps de jeu à ceux-là. On va commencer comme ça. Après, au pire, on peut commencer. Merde, faut arrêter la simulation.
Off de prêt contre machin, mais ils font chier contre machin. Je parle Wong, je le prêtais. Kasper Urbanski, 300 000. Ouais, okay, cool, hein. Je préfère garder toujours un peu de thunes pour le mercato d'hiver pour ajuster quoi. Enrique, non. Enrique n'est pas à vendre. Je sais pas contre qui on joue en premier match d'ailleurs. Xavier Schlager est arrivé. Okay. Ah, au final, Kenny okay, là, on va regarder un peu ce qui se passe quand même par ici. Moussa Niakate, il est où? C'est un Niçois, Juju, qu'est-ce qui t'est arrivé là? Tu as Diallo, hein. Diallo, il est meilleur que lui. Kenny là. Il raconte quoi? Ah non, mais Kinyala, ça ne sert plus à rien. On a déjà le FC Juju avec nous. On n'a pas eu de bug depuis tout à l'heure. Hein. Incroyable. Incroyable. C'est parce qu'il n'y a plus personne qui est connecté, c'est pour ça. Kieran Tierney, 59 millions. Ouais, c'est tout ça. Un sacré bazar. C'est vrai qu'on commence par Saint-Etienne, ça. J'aimerais bien qu'on commence un truc pas trop compliqué, histoire de le mettre en jambes. C'est vrai que si on passe sur Paris d'entrée de jeu, par exemple. Bon, ça va être compliqué. Nantes. Ah oui, c'est comment vrai, en fait. Ok. GG. Ramos, un profil qui intéresse. Gonzalo Ramos, c'est qui, lui? On va regarder ce qu'il vaut. Salut, coach, je ne suis pas à me plaindre, mais... Et nous n'avons pas encore recruté de joueurs dont nous avons besoin pour renforcer l'équipe. On est assez bon. Allez, commence pas à faire chier, Guillermo. Même Guillermo, il est pas content du mercato. Il y a un autre Niakate. Il joue en Allemagne. Je vais checker après. Même Maripane, il fait la gueule. Même Maripane, il se rend compte que ça va pas le mercato. Du coup, je peux aussi faire ça, hein, quand même. Saison, normalement, je dois pouvoir ajuster le budget, non? Attends, c'est où déjà pour faire ça? Finance, c'est là, non? Budget, c'est là. C'est là. Hop, on peut faire un truc comme ça, tu vois. Bon, on a déjà encore un petit budget, on a un budget un peu plus costaud. Je sais pas qui on... Faudrait qu'on achète une star, tu sais, un vieux bon, avec qui on vieux bon joueur. Je sais pas, là, je sèche un peu. Là, on a peut-être beaucoup focus sur des pépites, alors c'est bien, mais. Mais il faudrait trouver un vieux bon, quoi. Enfin, un vieux, pas forcément trop vieux, mais. Mec. Quand je dis pas, il part en couille. À fond. À fond. Quand je dis pas, il est pas content. Pavon, sinon on peut. Ouais, à la limite. Attends, il vaut quoi lui? Alors, on peut partir sur lui, hein. Je sais pas qu'est-ce qu'il y avait eu ce mec là, mais. Là, on serait équipé au moins. Hein. Milieu de terrain, on peut me faire jouer peut-être derrière le. Bon, allez, vas-y, on va se faire plaisir. On va claquer un peu notre budget là parce que si on veut jouer là au moins au niveau offensif on est quand même plutôt bien doté. Après on a des profils qui sont assez similaires, mais 14 millions tu me demandes, bah t'auras 14 millions, t'auras pas plus. Et bah voilà, en plus on aura encore un petit peu de thunes. Kondogbia, oh non, pas Kondogbia, mais Kondogbia ça va être grave cher, non? Tu crois pas? Je vais regarder, c'est une bonne idée en fait, mais j'ai peur que ce soit cher en fait. Important, rotation, je sais pas. Ça nous convient pas, ok. Important, ouais, si tu veux. En fait, je me vois un peu les doigts. 4 ans. Tout ton salaire, c'est le compte salaire actuel. Ouais, bah, écoute. Clause de libération, c'est une équipe qui peut. Si elle paye la clause, en fait, elle a automatiquement le. Elle achète le joueur. Donc, du coup, c'est souvent des clauses assez élevées. Pour empêcher. Soit tu mets ça pour empêcher de vendre ton joueur, quoi. Donc, tu mets genre une clause à 100 millions d'euros, tu vois, comme ça. Alors, s'ils mettent les 100 millions, par contre, tu l'as dans le cul, mais.
Franchement, je pense pas. On va tester, je sais pas. Je sais pas du tout. C'est évidemment moins que prévu, mais vas-y. Allez, ça part là-dessus. Voilà, on commence à un effectif pas dégueu, là. Là, je pense que ça va être pas mal. C'est plus la défense qui m'inquiète, en vrai. On est bien. Ouais, je suis pas sûr, mec. Hein. Enfin, on verra. Hein. Il joue l'Atletico, quand même, maintenant. Attends. Kondogbia. Effacé. Geoffrey Kondogbia, 28 ans. Ouais, peut-être raison. Peut-être qu'il faut pas... On va le mettre... On va le mettre en mode observation. Bon, on va se faire ce premier match contre Nantes, les gars. Alors... Pourquoi ils sont fatigués encore? Les mecs sont fatigués, rien à foutre. Premier match de la saison contre le FC Nantes. En vrai, on a fait quoi? On a fait 1-1, c'est ça? L'offre de prêt pour Pavlovic. Ah, près d'un an sec, ça me va très bien. Accepte... C'est quoi, ça? Non, c'est Elche, hein. Voilà, hop, ça c'est bien. Pavlovic qui part en prêt. Soit il jouera pas s'il reste Monaco. Alors, on va mettre Pavone assistant à la conférence de presse. Allez, on va citer à la conférence de presse quand même, on n'est pas des bêtes. Hein. Merci d'être avec nous. Et Hitman. Nous allons pouvoir écouter vos questions. C'est parti. Il y a vraiment une tête de tueur. Hein. L'élimination dans la compétition n'a pas vraiment. On doit apprendre de nos erreurs. Voilà, nous serons prêts. Sortez la pression, grosse pression. La qualification est essentielle à notre portée. Ah, on va jouer la qualif et tout. C'est bon. Il y a eu des bonnes affaires de l'année. Mais, carrément, il apportera des bonnes choses à l'équipe. Pas un nul contre Nantes. On a fait quoi, nous, contre Nantes, en vrai? On a fait nul, non? Merci à tous pour votre présence. En début de saison, on a fait nul. On n'a pas gagné contre eux. On n'a pas gagné du tout de l'année, du coup. Je sais plus si on a fait nul ou si on a perdu, mais c'est sûr, on n'a pas gagné. Alors, qu'est-ce qui se passe ici, du coup? Bah, y a Schill qui est là aussi. Hein. On a un banc qui est vraiment pas dégueu. Hein. Pour le coup, on va avoir une bonne... Vous voyez un peu ça, là? Pas mal, hein? Puis on a qui encore? On a Pavone aussi, là, qui est... Ouais, franchement, c'est pas vilain, hein? Tcheko, pas de chauve. C'est pas vilain, hein? Qu'est-ce qu'il fait, lui, là? Golovin, Bois... Ouais, c'est pas dégueu. Franchement, c'est pas dégueu. Il est en pleine forme, Pavone, en plus, pour le coup. Il a le moral et tout. Il a la patate, il est content. Bah, allez, let's go, hein? On a fait nul, ouais, c'est ça, hein. C'est bien ce qui me semblait. Allez, ce sera le dernier match, je pense. Premier match de la saison. Tu penses que ça va faire combien, Juju? Il est là. J'aime pas regarder les stats de Adama, d'ailleurs. Contre le FC Nantes, Atlantique, 96 en vitesse, la machine. 5-0 pour Monaco, ouais, non, non. Et ton joueur, il est où? Bah, il est sur le banc, mec. Tu veux que je fasse quoi avec ton joueur, là? Tu veux que je mette à la base de Sidibé? Si tu veux, je peux, hein. Tu veux que je mette à la base de Sidibé? Il est où? Lui, là? Regarde. On va pleurer en même temps. Il est là, regarde. Je vais le retrouver, mais... Par contre, c'est une pipe en termes de stats, hein. Je sais pas si t'as remarqué, mais... Moi, je veux bien, hein, mais... On peut, hein. Allez, vas-y. Ah, il a un moins 1 en plus. Ah non, je peux pas, mec. S'il a un moins 1, c'est scandale, quoi. Je peux pas, mec. C'est Aydin, là. Mais... Il joue à quel poste, lui, en fait? Oh, putain, tu fais chier. Vas-y, je sais même pas ce que c'est toi, Juju. Hein. 66, quoi. Ouais, le mec, il est même pas footballeur, en fait, quoi. Vas-y. Du coup... Ouais, du coup, je peux pas mettre Sidibé sur le banc, en plus, parce que... Ou Sidibé à place de Badiachil. Voilà. J'ai besoin de garder des joueurs offensifs quand même plutôt. Bon, allez, hein. C'est par là-dessus. J'ai des chances sur mon résultat. Allez, les premiers matchs de la saison contre le FC Nantes. Toujours avec un commentateur allemand. Lui aussi. Hop là! C'est plus facile en entraînement qu'en vrai. Hop là.
Le mec est chaud, le mec il s'emballe. Hello, merde, il sera à Monaco, je serai content. C'est à Monaco, ouais, mais pas dans mon équipe FIFA. Oh, il y a un vieux reflet de merde sur le terrain, en plus, il y a genre les visions. Allez. AS Monaco gegen FC Nantes. Jetzt geht's hier also endlich wieder los, die Liga. Spieltag 1. Beide Mannschaften haben eine lange Vorbereitung hinter sich. Und auch die Fans erwarten diese Punktspiele. Es kribbelt, keine Frage, Wolf. Endlich geht's rein in die neue Saison. Da geht er das Risiko, versucht den Schneipass. Vous trouvez pas que les effets de lumière, ils sont grave abusés dans FIFA, hein? J'ai l'impression de perdre la rétine quand je regarde dans l'endroit où c'est. Où il est censé avoir la lumière. Moses Simon, tu vas pas me faire chier, toi. Wesley. Colomoni. Non, mais non! C'est quoi cette arnaque là? Allez là, allez. Allez, mon grand. Allez, mon grand. Allez. Allez, cours, Caillot. Allez, toi, ça part là-bas, ça part là-bas, ça part de ça, Adama Traoré. Oui. Oh non, ce qui sort. Oh, le bâtard. Oh, ce qui m'a sorti. Oh non. Oh non. Oh, l'occasion. Ça pue, ça pue. Schön, erstmal jetzt den Ballbesitz verteidigt. Sie holen sich den Ballbesitz. Ça c'est de la récup, ça. Ça c'est de la récup, mon Youssouf. Mon Youss. Mais pars, Ben Yedder, là, au lieu de t'arrêter. Mais ouais, tu t'arrêtes, mec. Qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce qu'il fait, là? C'est quoi les réglages des mecs pour qu'ils partent quand c'est comme ça, quoi? Parce que putain, le mec il s'arrête, il voit que je suis en pleine course, il me regarde passer, il s'arrête devant moi. Débile, quoi. Je suis en train de faire un peu de temps. Oh ouais, vas-y. Ah, ça me fout hors de moi ce genre de but là. Xbox, ils auront bien fait tout. Pars toi! Allez, Diatta là, t'es payé pour quoi là? Pour regarder le terrain ou pour jouer? Diaz. Ah mais non, tu peux pas perdre ça. Ouais mec, on perd la balle contre les joueurs de CFA là, ça me dégoûte. Avant j'étais pas et les serveurs c'était vraiment la merde. Franchement, Xbox, c'est juste énorme. Ah ouais, non, mais là, on est sur du sale, hein. Ah, Diop en 10, je suis pas convaincu. Hein. Diop en 10, pas convaincu du tout, même. Ouais, Moses Simon, la machine. Bah, vas-y, mec, on va mettre un petit peu seul comme ça. Allez là, allez. Allez Adam, fais pareil ta vitesse. Là. Vas-y, fais-nous un big débordement là, tu nous manges tout ça. Tu nous les manges tous. Ah, trop là. Super passe, ja. Je vois rien du tout en plus avec la lumière. Mais c'est quoi cette passe, Diatta? Oh là là, il est nul, Diatta. Putain, sa passe elle est à chier, mais genre elle est 30 mètres derrière quoi. Ouais, ça pue. Caillou est bien défendu, heureusement. Ouais, mais là tu vois, sur ces trucs là, il se retourne et il fume à chaque fois quoi. Matadzu en 10, mais non, mec, pas Matadzu en 10. T'es... Non, je sais pas, je vais quand même essayer de faire un match valable. Matadzu en 10, non. Non, je peux. Ok, il a mis un but tout à l'heure, mais là, en plus, j'ai tellement d'autres meilleurs joueurs que lui à faire jouer à ce poste là que. Enfin, dans FIFA, hein, je. Attends bien. Bah, il est pas.
Tadzo en 10, ça va être scandale. Hein. Déjà là, c'est pas ouf. Hein. Voilà, c'est pas ouf du tout. Hein. C'est pas ouf du tout. Mais en vrai, j'aime pas la compo. Je crois que je vais changer de compo juste. J'ai besoin d'un truc avec plus de vitesse. Je sais pas. J'ai l'impression que les mecs ils prennent pas les. Maripan. Maripan, il fait le taf. Allez, Crépy. Allez. Comment un centre valable, putain, mais il est lent même dans ses prises de balles, putain. Crépin, ça sent la rentrée de pas bon, hein. Penalty, non, non, pas de... Ah, t'as vu, il propose direct de remplacer ton joueur, Juju. Surprenant. Et ben qu'il y a le premier mi-temps et il y a du changement à faire. Il y a des changements à faire là, il y a du Diata qui est complètement à la rue, Traoré qui fait très mal. Traoré il fait très mal, mais j'aurais plutôt mis à droite en fait Traoré. Hein. Diata il va vite quand même, mais putain il est nul. Hein. Diop il va sortir. Diop j'ai pas du tout aimé sa mi-temps, c'était dégueulasse. Je me tâte presque à foutre pas Pavone, tiens. C'est quoi, lui, en 74, vitesse, ouais, il va plus vite. Vas-y, on va foutre pas Vonla pour rigoler. On va foutre pas Von en 10. C'est peut-être la révélation de la saison, celle qu'on attendait pas. Il est pas mal, hein. Il est flex, le mec. Hein. J'aime bien. Hein. Ah ouais, là, ça change. Là, ça change. C'est ça que je voulais tout à l'heure, en fait. C'était un 10 qui fait ça, quoi. Un 10 qui fait ça, un 10 qui fait ça, voilà les gars, c'est tout ce que je voulais. Un 10 qui fait ça quoi. Voilà, Pavone il est rentré, il est titulaire quoi. Pavone il est rentré, il est titulaire. Ça y est, Pavone titulaire, c'est fait. Voilà, Diop, désolé. Pavone il a mangé du canari quoi. Et Ben Yedder qui va claquer son petit but de renard des surfaces. Ouais, on part sur du Pavone. Hein. Pavone, quand il accélère, il fait pas semblant quoi. Je pense. Qu'est-ce que tu fais toi? Super action, ball läuft gut bei Nantes. Non mais c'est quoi ça? Die Chance, die Riesenchance, aber was für ein Reflex. Super gehalten, das zeichnet den. Ah ouais, j'y ai grave cru aussi. Hein. La Neubel, il m'a sorti la petite parade comme il faut quoi. Ça serait bien de commencer par une victoire quand même, mais ils sont chauds quand même hein, sur les. Peut-être que je vais faire comment. Puis j'aime pas défendre dans cette zone jaune là. Je trouve qu'on voit pas trop les. On voit pas grand chose en fait, tout simplement. Yeah, le mate. T'as vu, c'est ouf, hein. Ça fait mal, hein. Ça moche. Oh, goal. Voilà, je me fais manger en défense, Juju, mais en contre-attaque, je pique. En contre-attaque, je pique. Pavone encore. Hein. Pavone qui décale, qui fait tout. Ce mec, il... Attends, c'est le numéro 13, c'est lui, on est d'accord. Hein. C'est quoi son numéro, Pépère? Parce que j'aimerais juste voir si c'est bien lui qui a fait ça ou même pas son numéro. Super. Ok. Je pense que c'était lui. C'était lui, j'ai peut-être trouvé mon 10 là. Hein. Il manquait pas grand chose à cette équipe pour être bonne et je pense que c'est peut-être pas bonne. Et là, Naruto is back. Bon allez. Oh là là, mais c'est quoi ça? Ah, j'adore. C'est le FC Nantes. En fait, c'est le FC Bayern de Nantes. C'est des mecs qui font des gestes. C'est ça qui est un peu abusé, je trouve, dans les modes de FIFA, c'est que tu vois des équipes nulles
enfin nul au niveau moyen, jouer comme si c'était un quart de finale de Ligue des Champions. Pavone, je suis amoureux, hein, je vous le dis tout de suite. Oh putain, celle-là elle peut pas passer. Celle-là elle devait rentrer. Ah, ton mec il s'est fait. Juju, ça c'est. Celui-là il est pour toi, hein, si je le prends. Celui-là il était pour toi, hein, parce que là ton Aydin il s'est fait manger, mais tout plus quoi. Oh, il avance pas. Hein. Il est en grève le pépère. Super pass! Er macht das Spiel schnell. Mais non, toi là! Pavone là! Là t'as chié par contre, t'es bon en percussion, par contre en finition t'es pas là quoi. Ah, j'aurais dû la croiser plus, mais en même temps je la croise déjà. Hein. Vraiment je la croise quoi. Là, je crois pas non plus. Maripan qui. C'est ma tâche de remorque là. Allez Aurélien, apporte le danger. Démarquez-vous les mecs là au lieu de coller comme des débiles là. Oh Pavone! Oh la minace! Oh la minace! Ouais bah c'est bon. Comment ça j'ai fait de la couille, je viens de mettre un but de bâtard. Hein. Sidibé, ouais, je vais sortir ses pattes, hein. J'aime bien, mais. Ouais, mais il y a un bon coup, Pavone, là, pour le coup. Je dis rien sur la finition, parce que là, il a fait le job. On a combien de 73ème minute? Ouais, il est temps de faire des changements, là. Il est temps de faire des changements, ouais, Sidibé, donc rentrer, c'est bon. Et il me reste plus qu'un changement, hein, les gars. Martin, c'est à la place de Diata ou il faut un mec rapide là. Ben Yedder, on va pas le sortir parce que finition, il sera toujours là. Ouais, Martin Diata, tu vois à la limite. Au milieu, tu aurais dû faire la passe avant. Ah oui. Traoré, j'ai envie de le laisser. Il fait un bon match. Ou alors Matadzo, Fofana. Histoire de densifier un peu le milieu, quoi. Enfin, garder un peu de. Boadou rentre. À la place de qui aussi? À la place de Diata? À la place de Traoré? Pas Ben Yedder quand même. Si. Ça me fait mal sortir Ben Yedder, hein. Ça peut se tenter, mais ça fait mal, hein. Ouais, on fait rentrer Boadou, allez. Il a intérêt à nous mettre un but, stop. Allez, à la place de Ben Yedder. Allez, vas-y, écoute. C'est parti. De toute façon, on a pas Von, donc on peut rien nous arriver. Ah, bah, trop tard, mec. J'ai acté le changement. Là, c'est full innovation devant. Allez, Boadou, on croit en toi. Kurzer Blick zur Uhr. Viertelstündchen haben wir noch. Ballverlust. Ich will taff. Wir gehen mal kurz ab ins Studio, denn es gibt ein Tor im Groupama Stadium. Ja, wir haben. Das ist jetzt eine Chance. Tolle Parade. Oh oui! Adama qui met son premier but aussi. Ouais, j'ai vu, mais ça marche quand même. T'as Boadou à la récup, hein. Boadou, il peut faire mal dans les espaces. Adama qui va avec son premier pion. Et voilà, let's go les mecs. Ça part, on est plutôt pas mal là. Pavone qui a failli mettre son doublé. Hein. Pavone, il est chaud patate le mec. Hein. Pavone, je suis là. Hein. Hey, oh, let's go. C'est bien ça, c'est bien pour la conf. Neuer Spielstand 4-2, 6 Treffer haben wir bereits gesehen. Ouais, on reste concentré. Hein. C'est pas fini. C'est que. Genre là-dessus, tu vois, ça peut être très dangereux. Ah bah là. Oh, Diallo, il fait le taf. Hein. Oh, Caillou, il l'a découpé. Ouais, Caillou, ouais, il méritait, y'a rien à dire. Y'a rien à dire, alors il était vraiment parti en opération boucherie charcuterie.
Freistoß wird ausgeführt. Kein Tor. Oh, j'étais pas bien, j'étais pas serein là-dessus. Das hätte einen Treffer verdient gehabt. Pas serein, pas serein. Adama. Abwehr muss so langsam aufpassen. Weiter dieses Dribbling. Oh, les belles salles. Ah, ils prennent le bouillon. Ouais, là, ils prennent le bouillon, les canards. Ouais, un mec qui nous ferait du bien pour casser les défenses à fond. Là, les canaries, ils prennent. Ils ont pris leur tarif. Là, le petit enchaînement est pas bien. Hein. Enchaînement pas vilain. Percée de Traoré, décalage, remise instant de. C'est qui, c'est Diata? C'est Diata, je crois. Fofana qui marque un but, quoi. Tout peut arriver, les amis. Tout peut t'arriver. 5 zu 2 steht es momentan. Im Groupama Stadium tut sich was. Es ist ein Tor gefallen. Ich gebe mal schnell rüber ins Studio. Wir haben hier das erste Tor. Diallo ist bon. Brest. Der neue Spielstand bon. Damit 1:1. Gespielt sind 87 Minuten. Vielen Dank für die Info. Sehr gut aufgepasst. Mais cher au défense. Guter Steilpass hier. Er spielt den Ball. Ganz gefährlich. Oh, j'ai trop poussé ma balle comme un coup. Alors le match, j'ai perdu un peu le fil du match. Et ben écoute, on était mené 2-1 je crois. Et puis là on a fait une petite remontada à nos amis nantais. Pour bah écoute, pour l'instant on est plutôt bien. Hein. On peut se mentir. On va en mettre un autre. Hein. Là on est sur un 5-2, victoire 5-2 pour le premier match là. Victoire 5-2 pour le premier match, autant dire que c'est pas trop bien. Caillou va nous tirer. Rentrant. C'est la victoire. C'est la win. C'est la win. Ouais, j'aurais dû frapper avant en fait, surtout. J'ai frappé trop tard. J'aurais dû l'enrouler et frapper. J'ai enroulé, hein. Mais j'ai enroulé. Mais j'ai tiré, le dernier était dans mes pieds déjà. J'aurais dû tirer avant. Et ma première victoire. Ça c'est bon ça. On a pas eu des buts exceptionnels. Hein. Ouais, mais bon. La frappe de Pavone n'est pas vilaine. Elle est assez sèche. Alors, regardez un coup la frappe. Elle est où la frappe? Ah, il y a un doublé Wissam, j'ai même pas fait gaffe. Tu vois, il est pas dégueu. Oh, il est pas exceptionnel non plus. Pas exceptionnel en plus, celui-là il est pas mal par contre, le but d'Adam. Non, c'est lequel qui est sympa là. Le but de Youssouf il est sympa parce que ça quiz bien là. Hop, remise instant, on décale, on frappe. Pavone de monstrueux, Joe Naruto. Je sais pas si toi qui me l'a conseillé, en tout cas c'est toi, un grand merci. C'est, bah, pour moi c'est juste, il a tout changé quoi. C'est-à-dire qu'à la mi-temps on est parti sur un. On était mené à 0 à la mi-temps quand même. Hein. On n'était pas parti sur un match de ouf, et ça finit en 5-2 pour nous, donc autant dire que le match a bien changé. Bah, un grand merci, hein, parce qu'il a vraiment tout changé. Bah, tu vois, il fait des passes D, il fait tout, quoi. Sur le but de Wissam, c'est lui qui fait la passe, ouais, tu vois, c'est lui qui a la passe ici, débordement, passe en retrait, puis Wissam est fini, voilà. Sur ce but-là. Sur ce but là, ouais, sur ce but là, il y a un coup, c'est quoi, il est au démarrage de l'action, et après il met sa frappe. Sur le but d'Adama, je crois que c'est lui qui met la frappe, ouais, c'est lui qui décale là. Et Adama va finir de près. Et après, ouais, le but, on l'a vu, voilà. Ah, j'en ai mis des pas mal aussi, moi, je jure. Alors, pas sur ce FIFA là, mais j'ai une petite bibliothèque sympa de buts un peu cool, surtout des grosses mines. Et je trouve qu'on mettait, je mettais des plus beaux buts sur FIFA 22, j'ai pas encore mis de but de ouf. Enfin, si, c'est sympa, mais pas incroyable quoi. Allez, un tagout d'après match. Cool, Adama. Ouais, Adama, c'est bien. Hein. Adama Pavone, c'est pas mal du tout. Boadou, il a fait une bonne rentrée. Il a pas marqué, mais il a fait une bonne rentrée. Merci à vous. Et en vrai, la rota, elle peut être pas dégueu. Elle peut être vraiment pas dégueu. Bon, 5-2, c'est bien. Hein. Victoire pour le premier match à AS Monaco. Match officiel, première victoire. Hein. Les gars sont à 100%. Ouais, bon, carrément, on peut dire ça, je pense. Surtout quand t'es mené à 0 à la mi-temps, Pavone, il se pétait tout son premier match. Vous pensez que c'était bien impressionnant. Pavone, il a fait grave le taf, par contre. On a trouvé une pépite. Ah, voilà, la pépite. On a trouvé une pépite, je pense qu'on parle là-dessus. Je t'envoie des vidéos après. Vas-y, let's go. Pas des nudes, hein. Juste des buts, hein.
Je sais qu'il peut mieux faire, soyons réalistes. Quoi, soyons réalistes? De quoi il faut du temps pour s'adapter. Mais il fait un très bon match, Diallo, en plus. Le Kovachov, ah, il est horrible. Mais on dirait pas du tout Clément ni rien. On dirait vraiment Hitman, quoi. Il manque une grosse cicatrice sur la gueule, là, et c'est parfait. Je tiens à vous informer que je m'inquiétais à propos des rumeurs me concernant. Bah, tu peux t'inquiéter, hein, Gelson, parce qu'en vrai, tu vas pas jouer beaucoup, je pense. Je sais qu'on parle beaucoup. Non, mais t'inquiète, j'agis dans l'intérêt. Tu peux être encore meilleur, je sais pas si ça va le faire flipper ou pas. Non, c'est bon. Je tenais à vous informer que tu auras une chance. Tu auras une chance ou deux, mais pas plus, quoi. Je te montre les vidéos après, ça roule, mec. Ça roule, ma poule. Bah, big up, hein. Merci les mecs d'avoir suivi tout ça. On va s'arrêter là au niveau des matchs pour ce soir. Je commence à fatiguer un petit peu, je vais pas vous cacher. On va enchaîner sur le World, c'est vraiment le même. C'est vraiment le même délire, quoi, pour le coup. Demain, je ferai les merdes, comment ça s'appelle, truc pour améliorer les joueurs. Là. Ah, ça m'échappait. J'arrive plus à remettre le plan de développement. Plan de développement des joueurs. Je ferai les plans de développement des joueurs demain. Merci de nous avoir suivis. Je vais juste voir s'il y a des transferts, des trucs qui arrivent ou pas. Que dalle, non. Et du coup, la compo. La compo va. Ah non, ils sont encore claqués, les mecs. Putain, c'est pas possible, c'est aussi. Cyclades, quoi. Au fond, on fera tourner, c'est pas grave. Avec Matadzo. Allez. Le mec est plus jeune que moi, il est fatigué. Ouais, ouais, mais j'ai fait mon vaccin, troisième dose, hier. Je t'avoue que c'est pas la grosse forme, quoi. C'est pas la grosse forme, ça. Hein. Pour Max, là. Popescu. On dirait un dictateur roumain, Popescu. T'es si vieux que ça, Juju, en plus. Est-ce que t'es sûr que t'es si vieux que ça? Est-ce que t'es vraiment sûr d'être le plus vieux que moi? Diop, ouais, bah là, par contre, y a pas match, hein. Je suis désolé. Quoique... Allez, on va lui laisser une chance à Diop. Et je suis vraiment trop sympa avec lui. Après, Pavone, ce qui est bien, c'est qu'il est rentré à la mi-temps, donc peut-être que la fraîcheur, c'est bien d'avoir aussi un mec frais. Limite, on va tester Golo, tiens, on va faire tourner un peu. Y'a pas de raison. Mais pas des chiens, hein. Moi, je suis à 3 doses et 2 Covid. Juju, il fait une collection. Kondogbia, ouais, j'ai regardé, mais il est... Je l'ai mis en observation. L'année, là, 34 ans. Ah ouais, bon, effectivement, moi, je suis en mes 33. L'âge du Christ, paraît-il. Du coup, on va sauvegarder ça, les mecs. On va sauvegarder ça et puis on va se reprendre ça bah, très vite, hein, je pense. J'essaie de trouver une connexion qui tient un peu plus la route pour pas qu'il y ait trop de plantades comme ce à quoi on a eu droit aujourd'hui. Et puis voilà. Et puis là, les gens pourront revoir le magnifique victoire contre le FC Nantes. Bon, les amis, on n'est plus très nombreux, mais là, en même temps, il est un peu tard. Hein. C'était un nouveau format, c'était cool. Désolé pour tous les bugs qu'il y a pu y avoir. C'était un peu chiant, je vais pas vous cacher. Un peu frustrant pour moi, mais bon, c'est pas grave, c'est comme ça, on s'est quand même bien marré. On était assez nombreux au début, mais c'est vrai que les bugs, je pense que ça saoule un peu tout le monde, ce que je peux comprendre. Hein. On fera en sorte de faire mieux, toujours mieux la prochaine fois. Je regarde juste les transferts, vite fait. Skriniar Moreno, ça Skriniar à 120 millions, quoi. Putain, United, ils ont craqué le... Regardez-moi ça. United, ils ont craqué 200 millions, quoi. Skriniar Moreno, bam, bam. Bon, bisous à tous, bonne soirée, et à très vite sur le Mounegou Live pour d'autres lives. Dès dimanche avec Juju pour suivre Montpellier Monaco qu'on va commenter. Merci Geo Naruto, c'est cool, ça fait plaisir. Qu'on va vous faire vivre en live commenté. Vous pouvez mettre la télé et puis nous on fait le taf à côté pour vous faire passer un bon moment. Allez, salut Geo Naruto, salut Juju, salut Popeye, salut tout le monde. À bientôt, à très vite. Bonne soirée sur le Mounegou Live. Ciao ciao, à bientôt.